Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et canal3television.com. Vous êtes les bienvenus dans votre matinale Actu Matin. Wahab Ali Kbara, Nagui Balagwe, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous. Je vous retrouve tout à l'heure, Wahab, pour la une des journaux et Nagui dans le mini-journal. Au sommaire, attention. La situation épidémiologique de la pandémie du coronavirus au Bénin évolue. Elle a fait son premier décès, une femme de 43 ans morte dans une clinique à Cotonou alors qu'elle y a séjourné pendant plusieurs jours. L'annonce faite par le ministre de la Santé dans son point de presse hier lundi fait également cas de nouveaux sujets et porte à 26 le nombre de personnes contaminées. Dans la foulée, le gouvernement durcit les mesures barrières et rend obligatoire le port de masques de protection dans le cordon sanitaire établi autour de 12 communes. Nous vous appelons ce matin au réveil à une prise de responsabilité pour faire bloc contre le Covid-19, la chronique du jour, le forum de discussion et notre page santé s'y consacre. L'actualité politique est aussi très animée. Le ton ne cesse de monter au sein des forces Kori pour un Bénin émergent après que Boni Yayi, président d'honneur du parti, ait abandonné sa troupe. Encore au front à quelques semaines des élections communales. Hier sur Actu Matin, nous avions reçu Luc Sinzogan, allié de Paul Rouquet, secrétaire exécutif national du parti. Et comme une réponse du berger à la bergère, eh bien ce matin, nous donnons la parole à l'un des fidèles à Boni Yayi, Kama Ouassagari, conseiller juridique du parti et l'invité du forum. Nous sommes mardi et mardi sur Actu Matin, c'est le métier de la semaine. Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubérou ont passé quelques heures dans un atelier de make-up, cette autre forme de maquillage très appréciée des dames par ces temps. Nous irons dans la deuxième partie à la rencontre de Bérénice Atindegla. Elle est une professionnelle du make-up. Restez avec nous sur Actu Matin. Tout de suite, les unes des journaux. Alerte. Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. L'information sur Actu Matin, c'est d'abord la une des journaux, à commencer par le quotidien Maison Fraternité. Wahab Ali Kbara. Bonjour Christian et rebonjour à tous. L'actualité nationale, c'est bien entendu le coronavirus. Le Bénin a enregistré un cas de décès et cela amène le gouvernement à durcir les mesures de protection. C'est Fraternité ce matin qui nous en parle. Propagation du Covid-19 au Bénin. Les détails sur le premier cas de décès. Le port de masque obligatoire dans le cordon sanitaire dès ce mercredi. Talon rappelle ses compatriotes à leur responsabilité. Noël Chadaré, à propos du bilan social de Patrice Talon, il y a eu des acquis, mais le travailleur béninois reste pressuré. Affectation du personnel à la direction générale des douanes, c'est à retrouver dans les colonnes du quotidien Fraternité. Faire bloc contre le Covid-19, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosumo. À la une maintenant de l'Économiste, face au coronavirus, les bourses d'Afrique de l'Ouest plient mais ne rompent pas. Production de meubles de cuisine, l'usine Made in Benin pour révolutionner l'industrie du bois. Carte sur table, lutte contre le Covid-19 à la direction générale de la Poste du Bénin, Judith Glidja assure le dispositif de lavage des mains dans toutes ses agences. Invité sur l'émission Patrice Talon, tel qu'on ne le connaît pas, Léandre Ngbeji dresse un bilan élogieux des 4 ans de la rupture qui force l'admiration. Le soleil levant
quatrième année de gouvernance Talon, Christophe Aïssi, chef d'arrondissement de Zimbié, appelle à accorder un second mandat au chef de l'État. Et puis coronavirus, le Bénin enregistre son premier cas de décès dans le Borgo. Au sujet de la pandémie du coronavirus, le préfet du Borgo appelle les populations au respect des mesures contre le COVID-19. Le matinal, la propagation du coronavirus au Bénin, la situation est grave, réagit le chef de l'État, Patrice Talon. 2 cas confirmés et 1 décès. Le port de masque obligatoire dès demain, mercredi. Gouvernance Talon, 4 ans dans la lutte contre la corruption, selon le matinal. L'informateur COVID-19, premier cas de décès au Bénin, 26 infectés, 2 hôpitaux et leur personnel mis en quarantaine. Le gouvernement renforce les mesures de prévention, service minimum dans l'administration au niveau du département du littoral et puis le port d'un cache-nez obligatoire à partir de 0h ce jour. Communal du 17 mai prochain, la date inchangée pour le moment. La dépêche, condamnation à 20 ans d'emprisonnement de l'ex-directeur général du FNM par la CRIET, Komi Koutché, l'insoumis, s'interroge le journal. Et puis, départ annoncé du président d'honneur des Kori, Boni Yayi, peut-il tourner dos à la FCBE? Interrogation toujours à la une de La Dépêche. La Nation, à présent, lutte contre la propagation du COVID-19, le port de masque désormais obligatoire. Lire le communiqué du gouvernement. Gouvernance de Patrice Talon, le temps des récoltes. La priorité pour finir, sans cache-nez, pas d'accès à la mairie d'Abomey-Calavi. Georges Bada sort la Thierry Lourdes contre le COVID-19. Face aux dernières nouvelles du COVID-19, l'ultime appel du président Patrice Talon aux Béninois. Et puis propagation du coronavirus au Bénin vers le confinement général, s'interroge la priorité. Port obligatoire de masque pour tous. Lire le communiqué. Coronavirus dans le littoral, l'administration publique réduite au service minimum. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin. Voilà, un tour rapide des parutions. Nous allons revenir donc à la une du quotidien Fraternité, qui revient sur la propagation du COVID-19 au Bénin. Les détails sur le premier cas de décès sont à lire en page 2 du quotidien de Ménantin. Le port de masque est désormais obligatoire dans le cordon sanitaire dès demain, mercredi, disons cette nuit, à partir de 0h. Et dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est vivement recommandé d'avoir également recours au masque. Nous allons revenir sur ce sujet plus en détail tout à l'heure dans notre mini-journal. Mais avant, on va suivre la chronique de Moïse Dosumon qui nous invite ce matin à faire bloc contre le coronavirus. Avant de retrouver Moïse, eh bien, on vous retrouve, vous, Nagui Balagué, pour les titres du mini-journal. Bonjour Christian, bonjour à nouveau. Promettre ses devoirs. Y compris en politique, et les organisations de la société civile y croient suffisamment, en tout cas pour travailler à rendre tout candidat élu président de la République redevable des engagements pris vis-à-vis des électeurs. Le rapport Présimètre est à cette fin. Il dresse une évaluation citoyenne sur les promesses faites par le candidat une fois chef d'État devenu. Il y en a eu 2 jusque-là. Le 3e a été lancé officiellement hier. Et puis il faut avancer masqué. Désormais, c'est l'une des nouvelles mesures trouvées par le gouvernement. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, que le masque est rendu obligatoire sur l'ensemble des 12 territoires concernés par la boucle sécuritaire. La mesure prend effet dès demain. Voilà, vous restez en place, Nagui Balagué. Le mini-journal est à suivre dans pratiquement 5 minutes. Moïse Dosumu, bonjour. Bonjour. La chronique du jour, ce sera avec vous, mais c'est juste après cette courte transition. Et voilà, nous sommes avec vous, Moïse Dosumu, pour la chronique. Madame, monsieur, bonjour. Il n'a pas eu le temps de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. En temps normal, il était censé être dans la ferveur de la célébration de l'an 4 de son accession à la magistrature suprême. Hier, lundi 6 avril 2020, Patrice Talon n'avait pas le cœur à revisiter les petites années qu'il a passées à la tête de l'État.
le Covid-19, qui a mis à genoux les grands de ce monde, est passé par là. Coïncidence pour coïncidence, le Bénin a connu ces dernières heures son premier décès lié à cette pandémie. La victime, une dame âgée de 43 ans, pouvait encore espérer vivre de belles années avant de s'éteindre. Mais le fléau du moment en a décidé autrement. Le dépistage tardif a eu raison d'elle. Son nom s'ajoute ainsi au décompte macabre à l'actif de ce virus qui détruit tout ou presque tout sur son passage. Avec ce décès, la donne change radicalement au Bénin. Depuis le 16 mars dernier, où le coronavirus a été détecté sur le territoire national, les cas recensés suivent régulièrement un traitement avec des résultats satisfaisants. Lentement mais sûrement, les guérisons s'enchaînaient pour le bonheur du plus grand nombre. C'était bon pour le moral de savoir que des personnes infectées réussissent à se tirer d'affaire. Hélas, il fallait que la mort s'en mêle. Les quelques cas de contamination en communauté au plan local qui ont été dépistés annoncent des jours difficiles pour les populations. Il faut le dire sans cesse afin que les incrédules et les négligents en matière d'hygiène soient convaincus. La maladie dite Covid-19 existe bel et bien. Et ce n'est pas qu'en Occident. Chez nous, des gens en souffrent. Il vaut mieux intégrer cette vérité afin de se prémunir contre ce mal. Certes, on en guérit, mais c'est encore mieux de ne pas être infecté. D'habitude, serait issu de lui, Patrice Talon, encore mieux, mesure mieux que quiconque l'ampleur du drame qui pourrait nous frapper de plein fouet si nous ne prenons garde. Et c'est à juste titre qu'il a martelé sur sa page Facebook que la situation est grave. Il appelle ainsi au respect des mesures d'hygiène et des consignes officielles. On ne le rappellera jamais assez. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le respect de la distanciation sociale ne sont pas de vaines exhortations. Il faut s'y conformer. Tousser et éternuer dans le coude ou dans un mouchoir jetable s'impose également à tous. Il en est de même du port du masque. D'ailleurs, à partir de demain, mercredi 8 avril, et jusqu'à nouvel ordre, dans les 12 communes qui composent le cordon sanitaire, le port du masque sera obligatoire pour chacun et pour tous. Ainsi en a décidé le gouvernement qui corse l'addition. En insistant sur le fait que le coronavirus existe effectivement au Bénin, Patrice Talon attend de ses mandants qu'il s'approprie les gestes barrières. Convaincu que la victoire sur ce mal dépend exclusivement des comportements qui seront les nôtres, le chef de l'État en appelle à la prise de conscience de tous. Et dans le cas d'espèce, le salut ne dépendra pas forcément des mesures gouvernementales. Bien que pertinentes, elles ont leurs limites. Le salut tant souhaité viendra beaucoup plus de la bonne attitude qu'adopteront les populations. Notre sociologie, qui prête beaucoup plus à une forte sociabilité et au réchauffement des liens, ne prêche pas en notre faveur. N'empêche, au grand mot, les grands remèdes. Ce virus ne fait pas de discrimination entre riches et pauvres. Et comme l'a si bien dit Patrice Talon, notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Le gouvernement revoit donc à la hausse cette mesure, la mesure barrière ayant rapport au port obligatoire du masque de protection. Oui, Moïse de Soumont, vos attentes à la suite de cette nouvelle mesure qui entre en jeu dès cette nuit à minuit. Il y a déjà une inquiétude liée à cette mesure-là, le port du masque. Et l'achat de ces masques-là, justement, le prix subventionné de 200 francs n'est pas accessible à toutes les bourses. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aller maintenant vers nos artisans, vers notamment ceux qui fabriquent les masques en tissu, et faire en sorte qu'ils mettent cela suffisamment disponible au niveau des populations. Parce qu'une chose est de vouloir que les gens portent le masque, une autre chose est de le mettre à leur disposition à moins de coûts. Il ne faut pas oublier également les proches des plus pauvres qui n'ont pas forcément les revenus pour justement s'approprier ces gens de masque-là. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde puisse en disposer et se protéger. Voilà, merci Moïse de Soumont. On rappelle que vous êtes un éveilleur de conscience. Vous appelez donc nos concitoyens à également prendre la mesure de la chose. Je vous conseille vivement de mettre votre masque une fois que vous sortirez de ce studio. Nagui Balagui. Oui, Christian. Bonjour. Oui, un mot. Sur le masque. Oui. Oui, il faut porter son masque. Je crois que il ne sert à rien de jouer au casse-cou là-dessus, parce que c'est clair, la situation est là, elle est évidente. Elle est d'une telle gravité qu'il ne faudra pas jouer avec. D'accord, vous restez en place, la transition au niveau de la régie. Je vous retrouve pour le mini-journal.
On va parler élections pour commencer. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin tient son troisième rapport dénommé Présimètre. Et il faut entendre par Présimètre le rapport d'une évaluation citoyenne sur les promesses faites par le candidat avant son élection au poste de président de la République. L'objectif étant de rendre le candidat élu redevable des promesses électorales sur la base desquelles les électeurs lui ont accordé leur suffrage. Le document a été lancé officiellement hier à Cotonou. Actualité du coronavirus oblige, c'est dans une salle quasi vide que le rapport Présimètre en 4 de la plateforme électorale des organisations de la société civile a été lancé. Un document de plus d'une dizaine de pages, fruit d'une évaluation citoyenne des promesses électorales du candidat Patrice Talon en 2016. Cet exercice d'évaluation citoyenne des promesses du candidat devenu président a révélé de nouveaux défis en termes de gouvernance et de redevabilité électorale. Nous allons insister sur quelques-uns que sont le défi du suivi et du plaidoyer lobbying pour une mise en œuvre des recommandations dans chaque domaine pour de meilleurs impacts sociaux. C'est un rapport très important dont tous les membres des OSC, toutes les autorités à divers niveaux en ont besoin pour avancer. C'est la troisième fois en 4 ans de gouvernance de Patrice Talon que la plateforme électorale des OSC du Bénin honore cet engagement après le passage à vide d'avril 2019. Et comme c'est de coutume, cette évaluation a pris en compte les 198 promesses électorales du candidat Patrice Talon. 22% des promesses sont tenues, soit 43 promesses tenues sur le total de 198 promesses. Au thème des promesses non tenues, on peut citer par exemple la promesse qui parle de modifier la structure de la Cour constitutionnelle ainsi que la durée du mandat et le mode de désignation de ses membres de manière à assurer son indépendance vis-à-vis des institutions dont elle est chargée de contrôler les actions. Le dit rapport est le dernier du quinquennat en cours en attendant le nouveau qui démarre dès le 6 avril 2021. La plateforme électorale des OSC y a fait du plaidoyer pour une meilleure gouvernance après les élections au Bénin. Hier, 6 avril 2020, cela faisait exactement 4 ans que Patrice Talon a pris le pouvoir. Alors, quel bilan peut-on faire de sa gestion à la tête du pays jusque-là? À cette question, les responsables syndicaux ont répondu leur appréciation du bilan des 4 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. C'est dans l'élément qui va suivre. Et c'est un mandat de réforme, il l'a annoncé à son arrivée. Et donc, il parle de mandat de réforme, on parle justement de grincement des dents. Je pense qu'on s'attendait tous à des grincements des dents et on en a beaucoup eu, beaucoup de grincements des dents. Et les aspects qui me frappent sont notamment les infrastructures. Aujourd'hui, dans tout le pays, vous avez des routes qui sont en construction, beaucoup de chantiers qui sont en cours d'achèvement. Et il est à souhaiter que si toutes ces routes sont vraiment achevées aujourd'hui, je pense que notre pays aura un nouveau visage et c'est à mettre à l'actif du régime. Je voudrais prendre également la question de l'énergie électrique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nette amélioration et ça, tout le monde en convient, même s'il y a encore des efforts à faire, il y a quand même une nette amélioration. Mais ce qui me frappe, moi, le plus, c'est disons, cette rigueur qu'on est en train d'imprégner. Et ça, tout le monde le remarque aujourd'hui. Et je pense que si on est citoyen objectif, on doit pouvoir reconnaître qu'il y a aujourd'hui de nouvelles manières de faire, de nouveaux comportements de la part des citoyens, de la part des agents de l'État. Je dois dire que, en termes de bilan, on peut dire qu'il y a eu du bon, du moins bon, et aussi du mauvais. Mais dans l'ensemble, on peut dire que le bilan est globalement assez bon. Assez bon. Il faut, si on veut être objectif, on peut reconnaître que du point de vue des réalisations infrastructurelles, les voies, les constructions,
eh bien, nous avons des éléments qui parlent. Il y a aussi du bon, là, sur le plan économique. On a les finances publiques qui sont assainies. Nous avons aussi la croissance économique qui est soutenue. Chaque année, on voit qu'il y a un taux de croissance qui augmente. Même si cette croissance économique n'est pas encore inclusive comme nous, les partenaires, le souhaitent. Maintenant, quand on a fini de dire ça, il faut reconnaître que sur le plan social, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chef de l'État doit comprendre que le nouveau costume qu'il porte aujourd'hui est un costume de politique et que le politique est là pour le bien-être social. Lorsque le citoyen lambda ne se sent pas bien en tant que citoyen, ça doit interpeller le chef de l'État, ça doit interpeller l'acteur politique au public. Sur le plan politique, vous voyez que si on n'a pas encore totalement décrispé l'ambiance, il y a toujours la tension politique. Il y a des gens qui sont à l'étranger, des exilés politiques, comme on les appelle. Il y a que des élections ont été organisées pour la première fois de l'ère du renouveau démocratique, des élections qui n'ont pas et auxquelles n'ont pas pris part les partis d'opposition. C'est inédit, par exemple, et c'est une tâche dans notre démocratie. Les relations avec les forces politiques, il y a peut-être eu un début, mais il faut peut-être les améliorer davantage. Et puis, avec les travailleurs que nous sommes, on a vu qu'il y a eu des lois, on a voté des lois qui sont des lois scélérates, c'est les lois sociales, qui sont pratiquement comme des lois antisociales, si je peux dire, parce que on a voté les lois sur la grève, la loi sur l'embauche, la loi sur le code pénal, la loi sur ce portant statut général de la fonction publique. Il y a des dispositions dans ces lois qui portent en torse, n'est-ce pas, aux libertés syndicales, à l'exercice des droits, n'est-ce pas, des travailleurs. Et voilà, c'était là les acteurs sociaux qui se prononçaient sur les 4 ans de Patrice Talon au pouvoir. Nouvelle mesure contre le Covid-19, Nagui Balagwe, et bien le gouvernement vient de rendre obligatoire le port de masques de protection. C'est à la suite des derniers cas enregistrés dans le pays. La mesure reste applicable sur l'ensemble du territoire des 12 communes prises en compte dans le cordon sanitaire. Elle prend effet dès demain à 0h. Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus COVID-19 s'est réuni ce lundi 6 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekodi, Port Novo, Akromisrété, Agégé et Adjara. Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie.
civisme et responsabilité n'ont pas été de mise chez les personnes mises en quarantaine. Et alors que le résultat des tests les concernant était sur le point d'être dévoilé, les passagers mis en quarantaine dans un hôtel de la place ont organisé une insurrection afin de rentrer chez eux en violation du protocole en la matière maîtrisé par les forces de sécurité. Il s'est avéré que l'un des commanditaires était porteur du virus. Le gouvernement décide alors de prolonger la période d'isolement de tout le groupe. Le temps nécessaire pour y voir clair, le virus a, sait-on jamais, circulé pendant les échauffourées. Voici le point que nous fait le ministre de la Santé, Benjamin Oukwati, au sujet de cet incident. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs, malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la COVID-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre aux tests de dépistage et à en attendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres. Pensez au reste de la population, pensez aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Voilà qui est clair, donc, avis aux indélicats. Un cas de coronavirus a été détecté au CHU Mel ce lundi matin, notamment à la maternité. Des mesures ont été aussitôt prises pour sécuriser les lieux. Il a été procédé à une vaste opération de désinfection des lieux. Voici le constat qui a été fait par Tanguy Agoy et Mofid Sabouran. Tout un compartiment vide. Dans les environs, une équipe qui fait le ménage. Les travailleurs sont au dehors, l'ambiance feutrée. Les regards sont suspicieux. L'administration ne peut pas parler. À la maternité, confient discrètement certains agents approchés, un cas découvert a contraint à des mesures strictes. Suspension temporaire des prestations dans ce département et mise en quarantaine immédiate du reste du personnel.
Les réunions s'enchaînent alors, depuis l'hôpital jusqu'au ministère, où l'administration du centre s'est déplacée au moment du passage de l'équipe de Canal 3 Bénin. Loin des environs de la maternité, seules les précautions de préservation rappellent le contexte de crise sanitaire. Tout le monde se protège et on fait le geste utile à l'entrée comme à la sortie de l'hôpital. Le défilé des usagers n'a pas changé outre mesure. L'information n'est pas tellement partagée. Le cas détecté est une femme et aura été en contact avec son conjoint rentré discrètement depuis le début du mois de mars d'un pays où sévit la crise. Depuis ce temps, se désolent ses collègues, elle aura partagé de longs jours au service, dans la discrétion totale liée à sa situation avec son homme. En bref, sachez que juste après le premier cas de décès confirmé du COVID-19 au Bénin, l'une de nos équipes de reportage s'est portée sur les lieux du drame. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est ici, à la clinique Maouna implantée à Kadiaou, un peu en face du quotidien La Nation, que ce premier cas a été enregistré. Les premières heures qui ont suivi cette mauvaise nouvelle, rien de particulier à noter sur les lieux. Nos reporters ont assisté à une ambiance ordinaire avec des entrées et des sorties de patients, tout comme des allées et venues du personnel soignant. La pandémie du COVID-19 fait des milliers de victimes dans le monde. Au Bénin, les personnes contaminées étaient dénombrées à 22 cas et un mort dans la soirée du dimanche 5 avril. Face à une maladie qui effraie le monde, le Haut Conseil des Rois du Bénin s'est réuni à Cotonou, au domicile de Sa Majesté Gangoro Swambou, roi de Kika. Au terme de la réunion, une déclaration a été faite pour soutenir les mesures prises par le gouvernement en invitant les Béninois à se conformer aux dites prescriptions. Suivons ensemble. Chers compatriotes béninois, chers compatriotes béninoises, face à la gravité du virus dont la propagation devient de plus en plus rapide et au vu de ce que des cas de confirmation sont déclarés dans notre pays, le Haut Conseil des Rois du Bénin, après une analyse de la situation, voudrait exhorter tous les Béninois et toutes les Béninoises à suivre avec rigueur les règles de prévention et d'hygiène provenant des autorités sanitaires nationales ainsi que par les organisations internationales et les messages de diverses autorités politiques et morales du pays. Ainsi, les rois, reines et chefs traditionnels mobilisés au sein du Haut Conseil des Rois du Bénin invitent la population en général à respecter les règles barrières. Dans le cadre de l'application de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie à l'intérieur du cordon sanitaire établi autour des 12 communes les plus exposées conformément aux mesures édictées par l'État, le Haut Conseil des Rois du Bénin demande aux populations de rester chez elles à l'intérieur de l'espace sanitaire, limiter les déplacements au strict nécessaire, observer une distance d'au moins 1 mètre avec notre entourage social, protéger dans les marchés et autres lieux de commerce les denrées alimentaires, respecter l'interdiction de circulation pour les bus de transport en commun de personnes, respecter pour les taxis motos l'interdiction de transporter plus d'une personne à la fois, respecter la limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 personnes au maximum, fermer les bars, discothèques et autres lieux de réjouissance, limiter à 10 les personnes prenant part aux cérémonies d'illumination et ce, dans la stricte intimité familiale. À l'intérieur des palais royaux, les chefs traditionnels, il est déjà arrêté de réduire les audiences. Les dispositions sont prises pour le lavage des mains au savon et le respect des règles barrières et celles édictées par les autorités politico-administratives. Face à la crise sanitaire dramatique qui n'épargne personne, le Haut Conseil des Rois du Bénin salue la politique d'isolement des 14 jours dans l'espace du cordon sanitaire incluant les 12 communes du pays les plus exposées
et la responsabilisation des populations de tout le pays face à la pandémie. Salue l'effort de solidarité manifesté par chacun et apprécie le souci de transparence qui se traduit par l'ouverture du compte contenu dans les livres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, y souscrit entièrement. Le Haut Conseil du Bénin invite toute la population du Bénin à développer un esprit de solidarité dans le calme et la discipline. C'est à ce prix que nous parviendrons à surmonter la pandémie et à vaincre ensemble le coronavirus COVID-19. Solidaires, unis et responsables, nous vaincrons. Voilà, comme quoi nul ne sera de trop dans ce combat pour la survie. C'est la fin du mini-journal, Christian. Voilà, merci à vous, Nagui Balagbé, et nos rois et têtes couronnées qui jouent leur partition dans cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus. S'il vous plaît, respectez les mesures prises par le gouvernement pour barrer la voie à cette pandémie. Le coronavirus, on va en parler de long en large dans cette émission. D'abord, le forum de discussion en plateau, j'aurai Hakimé Sédou, Séni et Erwan Agnambosso. André Dossa sera au téléphone. On reviendra donc sur ce premier cas de décès enregistré. Le port de masque désormais obligatoire à partir de demain. Les voyageurs en quarantaine qui ont créé une émeute dans un hôtel de la place. On va en parler également. Et puis une question que nous allons nous poser. Coronavirus et communal de 2020, faut-il envisager un report du scrutin pour les communales et municipales? Vous suivez les analyses et les commentaires des débatteurs ce matin. Et puis, juste après, dans la seconde partie, Zakiat Latunji reviendra en plateau pour nous parler de ce virus, la maladie en question. Restez avec nous. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu Tombola du 15 février au 15 juin 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Dans une petite minute ou dans quelques petites secondes, il sonnera 7h40. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Actu Matin, Canal 3 Bénin. Bonjour à vous, Herman Parfait Agnambosso. Bonjour Christian. Bonjour à vous, Hakimé Sédou Séni. Christian. Présentez vos masques à nos téléspectateurs pour leur dire que désormais c'est obligatoire. Non, c'est même pas une question de présenter. Ça s'impose. Donc du coup, qu'on présente, qu'on ne présente pas. Je crois que la dynamique actuelle nous oblige véritablement à prendre conscience de l'envergure et de l'ampleur de cette pandémie. Et donc du coup, ça doit être le geste le plus simple à faire désormais par tous les compatriotes, si tant est que nous avons l'envie de bouter hors de notre pays cette vilaine maladie, la pandémie du COVID-19. En tout cas, c'est un sujet que nous allons aborder le long en large. Pas obligatoire en tout lieu. On va mettre ça. Peut-être que, bon, avec le temps, vous donnez l'exemple. On va s'habituer. Voilà, il faut le faire parce que... Et là, je prends à témoin les propos, le roi de Kika,
Il dit solidaire, unis, responsable, nous vaincrons. Mm. Que chacun prenne ses responsabilités parce qu'il faut porter le masque. Je pense que c'est obligatoire désormais. Oui. André Dossa, vous êtes en ligne, vous êtes au téléphone. Bonjour. Bonjour Christian Adéyan, bonjour Marnéa Kibé, bonjour aux amis téléspectateurs. Je parie que vous avez aussi votre masque en ce moment, André. Croyez-moi, je l'ai mis. D'ailleurs, j'ai commencé à le mettre systématiquement depuis peu, comme vous devez le savoir. Et j'apprécie également que Herman l'ait mis sur le plateau, même si je constate qu'il a fini par l'enlever. Désormais, le port de masque est obligatoire. Et c'est pour notre santé que nous devons le faire. C'est vrai que ce n'est pas confortable. Et nous-mêmes, vous savez, on aime souvent que les gens fassent ce que nous disons et pas forcément ce que nous faisons. Mais je crois que nous devons, chacun, en ce qui le concerne, donner l'exemple, le bon exemple. Il faut que nous portions systématiquement nos masques pour nous protéger et pour protéger les autres. Voilà, nous allons revenir donc sur l'actualité du moment. On fait le point. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 26 cas de sujets contaminés au COVID-19. 20 sont actuellement en traitement, 5 cas guéris et 1 mort dimanche dernier depuis que la maladie est apparue chez nous et prise en charge par les autorités sanitaires. Herman Parfait, Annie Mbossou, que dites-vous de l'ascension de cette pandémie-là chez nous, au Bénin? Non, en 24 heures aux États-Unis, ils ont connu plus de 1000 décès aux États-Unis. Je pense que la COVID-19, la pandémie du coronavirus, dans les pays les plus touchés, atteint d'avoir un pic avant qu'on n'assiste un peu à ce que nous appelons la décrue, avant que ça ne baisse. Il ne faudrait pas que le Bénin arrive à ce niveau, parce qu'on est parti de 2 cas. Nous en sommes aujourd'hui à 26 avec un décès. Et quand on vous raconte un peu les conditions dans lesquelles cette femme a été cédée, d'où est-ce qu'elle est venue, comment est-ce qu'on a été un peu complaisant à nos frontières, parce qu'une dame qui, c'est pas, on dit qu'elle a quitté le Cameroun. Oui, un pays infecté. Mm. Je pense que le chemin le plus court pour quitter le Cameroun et venir au Bénin, c'est en passant par le Nigeria, par les frontières. Mais elle a fait des contournements. Mm. Elle est venue par le Togo. On l'a laissée. Elle est allée en famille. Aujourd'hui, toute une famille en isolement. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut qu'on aille à des mesures fortes pour éviter que ça ne grimpe. J'ai le sentiment à la fin qu'il y a une banalisation de la pandémie. S'il faut même recourir à des caméras, qu'on fasse descendre les caméras dans les centres d'isolement pour montrer aux gens que le drame existe effectivement et qu'il ne faut pas s'amuser avec. Mais ça tourne en boucle sur les chaînes de télévision. Pour ceux-là qui suivent l'information à l'international, est-ce que jusqu'à ce point, depuis plusieurs mois déjà, que le monde entier fait face à cette pandémie du coronavirus, il faut continuer à banaliser la maladie, André Dossa? Non, je crois que ce qui se passe autour de nous, désormais aujourd'hui chez nous, doit nous amener à prendre conscience. Vous savez, le Bénin a passé un cap important dans cette pandémie, c'est-à-dire nous sommes passés désormais à la contamination communautaire, la contamination locale. Tous les cas de corona ne proviennent plus de l'extérieur. Quand vous voyez cette sage-femme, c'est-à-dire agent de santé, qui n'ignore pas, ne doit pas ignorer les réalités de cette pandémie, mais qui a quand même cru devoir laisser son mari rentrer au pays par des voies frauduleuses, la contaminer et se porter elle-même sur son lieu de travail, un lieu extrêmement sensible, où on parle de maternité, un lieu où on donne la vie, vous voyez, exposant donc du coup un tas de personnes, un tas de citoyens, etc., des collègues, vous voyez. J'apprécie aussi la décision de la désinfection de l'OMS, mais ça ne suffira pas. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience. Il faut que les uns et les autres sachent que la pandémie existe et que ça fait des ravages et que le coronavirus est redoutable et que nous n'avons pas les moyens. Notre pays n'a pas les moyens de faire face, d'organiser une riposte efficace face à ce virus. Lorsque les grands tombent, les grands souffrent, les États-Unis, 200 000 cas aujourd'hui, ils ont déjà passé là-bas des 10 000 morts. Nous n'avons pas ces moyens, nous n'avons pas assez de respirateurs dans nos hôpitaux pour contenir la vague si en temps ça devait dégénérer chez nous. Il faut que les uns et les autres prennent conscience. La décision du port systématique obligatoire de masque est salutaire, mais attention. Attention. Oui, attention. Le gouvernement béninois a fait un gros effort en subventionnant le prix des masques, mais on doit pouvoir dire aujourd'hui que ça ne suffit pas. Les masques sont vendus à 200 francs. Il y a au Bénin des citoyens qui n'ont pas la possibilité de s'offrir des masques, de deux ou trois masques de 200 francs par jour.
Croyez-moi, c'est le cas. Même à Cotonou, ici. Mieux, je crois qu'il faut faire attention à la qualité des masques qui sont vendus. Moi, j'ai fait une expérience hier, j'ai acheté une dizaine de masques. Et en une heure, tous les 10 masques sont gâtés. Parce que le câble qui soutient le masque au niveau des oreilles n'est pas résistant. Ça lâche tout de suite. Oui. J'aurais été sur le plateau ce matin que je les aurais brandis. Je crois qu'il faut que... Non, demain vous allez les emmener en plateau. À ce niveau. Je voudrais aussi, je pense que le gouvernement béninois doit aller plus loin dans ses efforts. En faisant en sorte, par exemple, de nous aider par rapport à l'eau. Vous savez, le lavage de mains est l'un des gestes barrières les plus efficaces, les plus importants aujourd'hui. Combien de Béninois, vous savez, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour donner accès à l'eau aux citoyens, mais ça va faire grimper les factures d'eau. Est-ce qu'un effort ne peut pas être fait au niveau de la SUNEB? Vous intervenez sur ce plan, le plan social. En tout cas, on va y revenir tout à l'heure, exactement, le temps de donner la parole. Oui. Voilà, okay, le temps de donner la parole à Hakimé Seydou Seni. Oui, Hakimé, revenons au cas de cette dame. Malheureusement, elle a succombé dimanche dernier au mal, admise dans une clinique et qui a séjourné pendant plusieurs jours avant que sa situation de personne contaminée ne soit découverte. Alors, une certaine largesse autour de sa personne, même si sur les réseaux sociaux, depuis hier, on tente de justifier l'acte. Non, je crois que ceux qui se mettent, je dirais, dans une posture de justifier, mettons quoi, c'est pas le comportement de la défunte, m'embarrasse. Je ne comprends d'ailleurs pas. Je crois que l'itinéraire a été bien tracé. On nous a dit, en attendant qu'on soit démenti, que c'est une dame qui nous vient du Cameroun. Et Emmanuel disait tout à l'heure dans sa prise de parole qu'il y a comme une certaine largesse au niveau des frontières. Non, c'est d'abord une affaire de perception personnelle et de prise de conscience de la maladie. À partir de l'instant où vous quittez, par exemple, le Cameroun, il faut préciser, Christian, que je crois que le vol qui devrait pouvoir la faire descendre à Lomé a été interdit. Je ne sais pas qu'est-ce qui précède pour qu'elle rentre. Je ne connais pas les mobiles. Parce que c'est une évidence que pendant que nous sommes, il y a un problème. Soit on prend le vol normal, on arrive à l'aéroport de Kadiaou. On vous confine, comme ça se fait. C'est d'abord une chance que nous avons d'avoir un État qui a fait l'option de récupérer ses compatriotes et de les envoyer au niveau des hôtels. Le temps, je dirais, des 14 jours. Et ce n'est qu'après qu'on fait le test pour voir si, entre-temps, vous êtes positif ou pas. Et plusieurs de nos compatriotes ont la chance de profiter, je dirais, de cette initiative du gouvernement béninois. On pouvait normalement s'engouffrer. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cette option? On a fait l'option des sentiers tortueux. Et puis finalement, on se retrouve au Bénin. Quand on se retrouve au Bénin, Christian, dans les gens, si on a réussi au moins à échapper les mailles, tout ce qu'il y a autour, tout au moins, quand on a, par-devers soi, l'envie véritablement de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, Christian, on s'auto-isole. On ne s'est pas auto-isolé, Christian, dans les gens. On a organisé sentiers, même des fêtes. Oui. C'est là où ça blesse, cette affaire-là. C'est-à-dire que la défunte... J'attends qu'on vienne me démentir. J'ai entendu une audio. Non, il y a l'audio qui a circulé, qui donne des explications. On est allé jusqu'à prendre, je dirais, à partir un audio du médecin, je crois, de la clinique Mauna, pour espérer qu'on coffre. Et quelqu'un me disait, dans la flèche, si on devait coffrer, je dirais, le médecin, c'est que eh bien, la famille elle-même mérite d'être coffrée et la clé, on va la jeter dans la mer. Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui n'a pas marché à ce niveau-là. On a l'impression que les personnes se sont positionnées en kamikaze, bien entendu, dans un contexte où, Christian, on vous dit que le simple contact y a créé, je dirais, la contamination. On a fait une fête, Christian. Combien de personnes ont pris part à la fête? Ça n'est pas 5 personnes. C'est tout au moins 10, c'est 15, c'est 20 personnes, Christian, dans les gens. On s'est fait, je dirais, offert des services de certaines personnes. On m'a dit dans la foulée qu'un jeune qui a été le chauffeur de la défunte. Les parents du jeune aujourd'hui sont en situation, je dirais, d'alerte maximum. On a dit qu'on a mis en quarantaine seulement la famille. Il y a encore des personnes qui s'est d'amour. Oui, côtoyer. Tout cela. Vous voyez un peu tout ce que ça crée. Franchement, je n'ai pas compris que ça puisse passer. Et mieux, ce qui blesse dans cette affaire, Christian, c'est que, comme l'a dit le docteur, en attendant qu'il ne soit démenti, c'est que semble-t-il, jusqu'à la veille de la situation dramatique, c'est-à-dire jusqu'à la veille de la mort de la dame, n'a pas été expressément dit, Christian, dans les gens, que cette dame vient du Cameroun. On a simplement fait constater qu'elle serait rentrée en contact avec quelqu'un. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a eu de la mauvaise foi. Sur toute la ligne. Oui. Franchement, moi, ça m'embête ce matin que de vouloir parler de cette situation, et je dirais, de coronavirus avec un mort. Et un malheureusement, mort qui, cette situation est intervenue. Et un mort qui, sur toute la ligne, Christian Danja, n'a pas fait preuve, je dirais, de prise de conscience personnelle. Et malheureusement, cette personne est décédée, mais elle n'est pas décédée seule.
c'est qu'elle est derrière nous, Christian. Il y a des personnes qu'on doit forcément chercher de part et d'autre parce que c'est Et ces personnes qui sont allées déjà en contact avec d'autres personnes à l'intérieur du pays ou dans le cordon sanitaire établi. C'est à ce niveau que j'ai mal parce que malgré tous les efforts qui sont faits, malgré tout, je dirais, toute la sensibilisation qui est menée, malgré toute la campagne d'information qui est menée par rapport au Covid-19, je ne peux pas comprendre, Christian Danéjean, qu'il y a encore des personnes qui doutent, je dirais, de la dangerosité de ce virus, au point d'ailleurs d'aller avec toutes ces largesses. Et alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer, Amand Aniambosou, pour qu'on en arrive là? D'abord, il y a une personne qui souffrait d'un certain nombre de mal, qui s'est rendue dans un hôpital, une clinique de surcroît, et au niveau de la clinique, on l'a gardée pendant plusieurs jours, et c'est le dimanche maintenant qu'on vient constater son décès. On fait des analyses, on constate qu'elle est morte de cette maladie là. Je veux aussi être démenti, un peu comme Hakimi l'a dit tout à l'heure. Le médecin, l'audio que nous avons entendu sur WhatsApp, nous dit que la dame, une fois admise à l'hôpital, présentait des signes et qu'on a appelé un numéro, une ligne qui ne marchait pas et tout. J'attends qu'on me dise si effectivement la ligne n'a pas marché, mais toujours est-il qu'on aurait dû prendre des précautions. Est-ce que la dame, en venant dans la clinique, a effectivement déclaré qu'elle était au Cameroun et qu'elle est revenue du Cameroun? C'est ça la première interrogation. Le médecin lui a posé un certain nombre de questions. Oui, lorsque vous suivez son audio, elle n'a pas dit la vérité. C'est ce que nous disons. Donc, si la dame n'a pas dit la vérité, le médecin n'est pas un devin, il n'est pas le bocono pour mettre le fa à terre et deviner que la dame vient du Cameroun. Alors qu'on nous a dit que quand on vient d'un pays à risque, il faut s'auto-isoler. Et je pense là que l'auto-isolement a montré ses limites. Et même au niveau des frontières également, je pense également qu'à ce niveau, il faut redoubler d'ardeur au niveau des frontières. C'est l'autre cas, le cas de ce jeune Béninois qui est venu de la Côte d'Ivoire et à qui on a prescrit l'auto-isolement. Il a donné tous les éléments qu'il faut, il dit qu'il va rester dans un hôtel. Une fois venu à Cotonou, vous savez ce qu'il a fait? Il n'est allé dans aucun hôtel, il est resté dans une zone de Cocotomé. Et c'est finalement la police qui, s'est dit « attention, ce gars-là, on n'a plus de ses nouvelles, qu'est-ce qui se passe ?» Et finalement, il a fallu mettre la main sur son père pour qu'on arrive à dénicher finalement le jeune qui se retrouverait dans la zone de Cotonou, qui sont aujourd'hui, je crois, en isolement. Je pense qu'il faut qu'on arrête, parce que l'impression que j'ai finalement, c'est que quand on a décrété le cordon sanitaire, j'ai le sentiment que ceux qui viennent de l'extérieur des pays à risque pensent que nous sommes déjà tous des morts ambulants et qu'il faut continuer pas contaminer d'autres personnes. Je pense qu'il faut qu'on arrête ça, parce qu'il faut qu'on vive après la crise. Oui. André Dossard, comprenez-vous l'attitude de ces personnes-là qui ne disent pas toujours la vérité quand il s'est agi de se prononcer sur cette affaire, de déclarer sa provenance et autres? Vous savez, ici en Afrique, au Bénin en particulier, nous avons un profond respect pour les morts. Lorsque les gens décèdent, même si ce furent des criminels, il nous est souvent difficile de prononcer à l'occasion de nos oraisons funèbres des anathèmes, des réprobations sur certains de leurs actes. Cette dame, elle est partie, mais vous savez, il y a des circonstances qui vous obligent à laisser de côté certaines exigences morales, à ne plus vous embarrasser de certains scrupules pour dire la vérité. Les gens trichent, et c'est justement ceux qui trichent qui nous exposent, nous autres. C'est ceux qui trichent qui exposent la communauté. Le médecin a parlé. Elle a menti sur toute la ligne, y compris même les gardes malades, ceux qui l'ont accompagné. Ils ont tous menti. Parents, oui. Ils ont tous menti. Alors, il y a juste à mettre leur vie à eux et la vie de la communauté, la vie de la population, du peuple, d'attirer une balance pour voir. Ouais, ils ont menti. Au point maintenant de disposer tout le monde. Moi, tout ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a même des parents qui osent justifier, qui expliquent le comportement malsain de leurs parents. Et de ce médecin également qui parle. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. Il faut que les uns et les autres comprennent le danger que représente le coronavirus pour nous tous. Personne, c'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas les moyens de résister à ça. C'est vrai, il y a la possibilité de guérir, de soigner des gens aujourd'hui, mais quelle est la capacité que nous avons dans les centres de supervision à cet effet? Il y en a d'autres, vous savez, c'est pas peut-être parce que, bon, elle a fini par mourir qu'on l'a appris. Peut-être parce qu'elle a pu aller jusqu'à une clinique qu'on l'a appris. Imaginez tous ces autres citoyens qui ne passent pas des frontières informelles du pays, qui rentrent dans le pays malgré tout ce qui se dit, malgré peut-être l'ampleur de coronavirus qu'ils ont pu voir dans les pays qu'ils quittent pour venir chez eux.
et qui refusent de se déclarer, de se dénoncer, de se porter vers les centres, vers les médecins, pour qu'on les prenne en charge. Ils ne sont pas forcément porteurs quand ils rentrent au pays par ces moyens illégaux, mais au moins il faut qu'ils soient honnêtes, qu'ils aiment assez leur peuple, leurs voisins, leurs enfants, leurs parents, pour se déclarer voyageurs, ainsi de suite. Je crois que c'est dommage. Dommage, comme vous le dites. Mais on rappelle que la journée d'hier, lundi, n'a pas été de tout repos pour le ministre de la Santé. Communiqué sur communiqué, déclaration sur déclaration. On va parler de ces messieurs qui sont rentrés de voyage, qui sont mis en quarantaine dans des hôtels, qui sont bien occupés par l'État béninois. Après 14 jours, on a procédé à des tests où il a été révélé qu'il y a 3 personnes qui sont contaminés, qui sont testés positifs. Alors, ces voyageurs qui sont concernés sont obligés de prolonger leur quarantaine, ce qu'a déclaré le ministre, mais il y a eu cette émeute. Ils n'ont pas compris la chose en réalité, Hakim Essédou Séni. Non, je reste depuis hier un peu dans des ressentis et pas du tout, je dirais, compréhensibles. Christian, nous avons la chance, depuis l'apparition de cette pandémie du Covid-19, Christian Dandédian, il y a que les cas qui ont été détectés sont des cas qui sont venus de l'extérieur. Et grâce, je dirais, à la barrière de filtre qui a été mise en place au niveau de l'aéroport international Bernard Gantry, qui consistait à travers donc, le comité qui a été mis en place, qui récupérait donc, les différents voyageurs et les envoyait dans les hôtels, c'est grâce à ce système-là, Christian, qu'on a pu savoir ceux qui sont malades, Christian Dandédian, et sont pris en charge. Au jour d'aujourd'hui, vous avez cité, Christian, dans votre introduction, 26 cas. 5 sont guéris. Malheureusement, il y a un qui est passé de vie à très bas. Parce qu'elle n'a pas été prise en charge, elle n'a pas fait déclarer. On tire la première conclusion, ça veut dire qu'on guérit. On peut guérir du mal. Et que des dispositions sanitaires sont mises en place, pour le moment, Christian Dandédian, pour nous éviter de passer donc au pire, Christian Dandédian. Je ne comprends pas que, malgré cette batterie de dispositions qui a été prise, pas forcément suffisante, Christian Dandédian, mais de gros efforts sont faits. Que des personnes continuent toujours pas ne pas faire confiance et à se faufiler. Mieux, la pandémie du Covid-19, ça n'est pas le virus du sida. C'est-à-dire qu'on peut guérir. On a des exemples de guérison. Justement, ce n'est pas une maladie. Il y a plusieurs milliers de cas qui sont guéris. Ce n'est pas une maladie de la honte, Christian. Ce n'est pas une maladie de la honte. Ce n'est pas parce que vous avez commis l'adultère. Ce n'est pas parce que vous avez, je dirais, trompé X ou Y que vous avez le Covid-19, Christian Dandédian. C'est-à-dire que le virus existe, on peut le contracter et on guérit de ça. Je ne comprends pas qu'on ait pris toutes ces dispositions. Que vous soyez mis en quarantaine, Christian. Et qu'on nous dise que des regroupements de 10 personnes au plus ne sont pas acceptés. Et quand on parle d'émeute, Christian Dandédian, dans un hôtel, on peut les comprendre. Ils ont déjà passé 14 jours en quarantaine. Bon, en principe, ils devaient être libérés, André Dossa. Christian, rentrer chez eux. Passer 15 jours, 20-50 jours en quarantaine et avoir une santé, est-ce que ce n'est pas mieux que de se voir revendiquer qu'on a fait déjà 14 jours? S'il y a des situations qui obligent, Christian Dandédian, à prolonger les 14 jours, tiens, on va le prolonger. Ce n'est pas à vos frères, Christian, c'est aux frères de l'État, c'est aux frères du contribuable béninois, Christian Dandédian. Ils veulent retrouver leur famille. Arrêtez avec cette histoire-là. Oui, est-ce que vous avez compris, André? J'aurais bien mal à me prononcer là-dessus. Oui. Parce que je crois que pendant que nous y sommes, après la prolongation, je dirais, de cette période de cas, il va falloir que ces personnes répondent de façon plus sévère de leurs actes. Parce que franchement, ils ne peuvent pas mettre en danger la vie de plusieurs Béninois à travers des comportements les forces de l'ordre qui sont intervenues hier pour amener le calme et autres. Oui, André, est-ce que vous comprenez cette réaction de ces personnes-là qui sont encore dans les hôtels puisque le ministre a pris sa décision? Ils doivent encore passer 14 jours en quarantaine. Vous savez, Christian, l'isolement, la solitude peut créer une certaine anxiété chez certaines personnes. Ça peut être à la base de certaines crises de panique de la part de ces gens. Mais je dis, c'est inadmissible. Cette rébellion face aux dispositifs mis en place, les moyens déployés pour protéger d'abord ces mêmes personnes, et après la communauté, je crois que cette rébellion est inadmissible.
ils ne peuvent pas s'opposer à ce qui est mis en place pour nous protéger. Tous ceux qui sont en isolement ou en quarantaine sortent après un test. Et ce test, depuis que ça a commencé, révèle qu'il y a souvent des porteurs. Parce que désormais, figurez-vous, et c'est ce qui est plus dangereux dans cette maladie, il y a des porteurs asymptomatiques. Ils sont porteurs, mais c'est en bonne santé, apparemment, mais ce n'est que le test qui révèle cela. C'est pourquoi il est indispensable aujourd'hui de faire le test. Alors, pourquoi vont-ils se rebeller? Je crois qu'il faut que le gouvernement prenne aussi ses responsabilités. On ne doit permettre aucune complaisance dans cette affaire. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Moi, je n'ai pas envie de mourir de coronavirus. Je n'ai pas envie de la contracter, cette maladie. Et par conséquent, les moyens que l'État met en œuvre, je dois pouvoir les suivre. Donc, je crois qu'il faut punir sévèrement ces personnes. Et j'exagère à peine en le disant. Le fait aussi de les garder pour 14 autres jours, c'est nécessaire, parce que vous savez, c'est 14 jours l'incubation de cette maladie-là. On leur refait le test, et puis après 14 jours, ils pourront sortir chez eux. Absolument. Parce qu'il y en a qui sont sortis et qui sont rentrés chez eux depuis. Et l'isolement, ce n'est pas une prison en tant que telle, puisqu'ils sont pris en charge. Du moment où ils sont des Béninois, ils sont pris en charge par l'État. Et nous avons vu les conditions de cette quarantaine-là. On a eu des témoignages qu'on a même passé à la télévision. Donc je crois qu'il faut que l'État reste ferme, que le ministère de la Santé et le comité de crise restent fermes et qu'on s'occupe correctement de ces gens-là. Lorsque, si par la grâce de Dieu, ils vont sortir dans 15 jours et qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils subissent les conséquences de l'acte qu'ils ont posé. C'est inadmissible de mon point de vue. Oui. Par rapport au ministre de la Santé que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est bien, il se débat, etc., les communiqués. Mais ça ne suffira pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de plaintes liées au numéro vert mis en place. Il faut déjà corriger ça. Il faut qu'on revoie le dispositif. Parce qu'il y a trop de plaintes déjà qui reviennent. Comme quoi, quand on appelle le numéro, les gens ne réagissent pas. Mais il faut aussi dire que le numéro est trop long. Si on peut revoir un numéro à quatre chiffres, ça pourra faciliter l'appel. Il y a forcément un moyen d'arranger ces choses-là. Il faut que déjà le ministre de la Santé se penche sur cet aspect de la question. Parce qu'il faut que nous instaurions une délation désormais. Il faut amener les citoyens à dénoncer les suspects. Lorsque je sais que j'ai un voisin, un ami qui est rentré, il s'en passe. C'est pas le mécanisme mis en place pour contrôler. Je le dénonce. Il faut aussi orienter la communication sur le coronavirus dans ce sens-là, dans le sens de la délation, la dénonciation. Si on ne le fait pas, on va s'exposer. IPIAF d'impatience, Herman Aniabossou, une réaction oui, sur le cas de ces messieurs. Les instigateurs de l'émeute, à mon avis, doivent être identifiés. Et punis. Ils sont connus, ils sont dans l'hôtel. Oui, il faut qu'on les punisse parce qu'effectivement, là, je veux parler comme le citoyen lambda, 14 jours encore, c'est au frais de l'État. C'est une absence de conscience 14 de leur encore, part. Non, André l'a dit, peut-être que l'isolement a été la cause. Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans des situations où ils ne sont pas parvenus à contrôler leur nerf. Mais toujours est-il qu'à ce niveau, je pense qu'il faut les identifier et les punir sévèrement. Je ne voudrais pas citer Corée qui a dit que quand vous revenez d'un pays à risque, vous ne vous dénoncez pas. Que la sanction vous attend. Si c'est le cas, il faut qu'on y aille également au Bénin et qu'on arrête un peu avec la complaisance parce qu'effectivement, sur ce plateau, on a d'ailleurs demandé à ce que le cordon sanitaire qui est installé, qui s'étend à plusieurs villes désormais, que ce soit vraiment un cordon où effectivement ceux qui transportent les marchandises, par exemple, subissent des dépistages systématiques. Ouais. Il faut qu'on y aille effectivement. Ceux qui sortent comme ceux qui entrent doivent subir des dépistages systématiques et qu'on essaie un peu d'élargir un peu ce cordon à ces zones. Nous sommes tous au Bénin et nous savons par exemple que au lieu de passer par Sebouba pour venir au Bénin, pour venir par exemple à Cotonou, celui qui quitte Lomé par exemple peut passer par Kwamassé, entrer dans Savi, passer par Tori et descendre dans Kalavi. Ça veut dire qu'il y a tellement de voies de contournement qu'il faut aujourd'hui redoubler d'ardeur de vigilance parce que les Béninois, ils sont aujourd'hui capables de pouvoir passer par la brousse pour entrer à Cotonou alors que nous sommes censés être dans un cordon sanitaire. Je pense qu'il faut aller loin et montrer à ces populations que quand on va au-delà de certaines choses, on peut également être puni du point de vue pénal. Alors les dernières minutes, Hakimi Seydou Ousseni, par rapport à ce coronavirus, et ça m'amène à aborder la troisième question ou le troisième sujet de notre échange de ce jour. La Sénat qui déroule son calendrier normalement, les partis politiques en lice et leurs candidats qui se préparent également activement pour prendre part au scrutin du 17 mai, va-t-elle tenir ou pas à cette date? Bon, la Sénat déroule son agenda. Est-ce que les formations politiques, je dirais, ont vraiment tous les éléments d'appréciation et tous les éléments permettant d'être sur le terrain? Je ne crois pas.
parce qu'il faut rencontrer les populations. Et quand on parle de rencontrer, eh bien, à moins de faire du porte-à-porte, ce qui n'est pas véritablement pas, pour le moment, je dirais, la voie choisie, il y a que, on a des doutes de savoir si véritablement les conditions seront optimales, Christian, pour l'organisation des communales et municipales prochaines. De toute façon, les institutions habilitées, je dirais, à prendre part aux préparatifs et puis à la tenue de cette élection, en plus, j'allais dire, du chef de l'État, trouveront le modus. Mais toujours est-il que il faut être en bonne santé, Christian, avant de participer, je dirais, à la campagne électorale. Il faut être en bonne santé avant d'aller aux élections. Il faut avoir des populations en bonne santé pour les gouverner, bien entendu, tout ce qui est autour. Donc, du coup, il n'y a que pendant que nous sommes. Il y a bien de pontiens relativement à la tenue effective des communales du 17 mai prochain. Ça n'est pas moi qui est convoqué, ça n'est pas moi qui décide en dernier ressort. Eh bien, non, c'était les conditions, juste les conditions telles que ça se présente amènent véritablement à beaucoup plus nous pencher sur l'essentiel qui constitue en ce moment la tenue de, quand on, la pandémie, comment est-ce qu'on fait pour bouter cette pandémie-là, encore même que il faut beaucoup plus aller dans la sensibilisation des populations pendant que nous sommes depuis, ça nous amène véritablement à changer le paradigme en termes de communication, franchement. Donc du coup, je crois que c'est plus préoccupant d'avoir les populations en bonne santé que bien de choses. Oui, André Dossa, faut-il envisager un report du scrutin? Compte tenu de la situation, vu l'évolution de la pandémie dans notre pays, avec désormais la contamination communautaire, je crains que le report s'impose. Parce que, effectivement, dans la psychose, dans un contexte de psychose, il sera difficile de mobiliser les électeurs. Il sera difficile pour les candidats eux-mêmes d'aller vers les électeurs et leur parler. Ce que tout le monde a peur en ce moment, les gens se posent des questions. Je crois que le report finira par s'imposer, même si ça va impliquer davantage de dépenses. Je crois que ça va, puisque vous savez, dans tous les pays au monde, les prévisions les plus optimistes ne prévoient pas la fin de cette pandémie pour fin avril, alors que nous devons aller aux urnes le 17 mai. Parce que la fois qu'on dit cette entité pour organiser son référendum dans des conditions de pandémie où son gouvernement n'avait même pas encore pris des dispositions pour informer la population, les sensibiliser, etc. Vous avez vu ce que ça a créé par la suite. Ils sont en train de courir maintenant contre la montre pour rattraper le temps perdu. Donc je crois qu'on va certainement aller à un report. Eman. Oui, un report, à mon avis, ça s'impose parce que aussi bien candidats qu'électeurs sont des porteurs sains. Et à moins de subir un test de dépistage, on ne sait pas si moi, candidat, je suis porteur ou si vous, électeur, vous êtes. On a beau prévoir le porte-à-porte, ce n'est pas, à mon avis, la solution. Je pense qu'il faut, comme Akimé l'a dit, aller vers des populations qui sont saines, alors qu'en ce moment, nous avons des populations qui sont sur le qui-vive. Il faut bien qu'on le porte. Mais là, il y a un aspect sur lequel André a insisté dès le départ, sur lequel je veux revenir, c'est le masque. Parce que le masque que j'ai sur moi, est-ce que je le porte sur 2-3 semaines? Est-ce que je dois changer le masque 2 fois par jour, 3 fois par jour? Il faut qu'on aille dire ça. C'est 3 heures de plus. Je suis d'accord. Vous l'avez depuis 6 heures. Depuis 6 heures, je l'ai effectivement. Maintenant, quand vous suivez un peu un documentaire qui a été fait sur la grippe espagnole de 1918, on dit que même les personnes qui sont mortes de cette grippe-là, de ce virus-là, ont été incinérées parce que même mort, le virus vit encore dans le corps. Je pense que ce qui se fait dans beaucoup de pays, je crois que le gouvernement, on m'a dit que la dame d'hier, elle a été enterrée sous haute escorte policière ou sécuritaire, je ne sais pas trop. Je veux croire qu'on a pris des dispositions pour que on ne dise pas dans 100 ans. Les gens ont prédit en 1918, ils ont dit que 100 ans après que le virus allait revenir. Et nous sommes à 102 ans. Actuellement, ça fait 102 ans. Le virus vit plusieurs années. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne les dispositions parce qu'il faut qu'on aille avec la complaisance. Et mieux, il reviendra maintenant au ministère de la Santé, certainement avec le concours du ministère de l'Intérieur, de chercher, de fouiller et d'aller au contact des personnes qui sont en contact avec la dame décédée pour qu'on puisse véritablement les mettre en isolement, qu'on les suive pour savoir si oui ou non, eh bien, ils n'auront pas aussi à... Et qu'ils soient sincères, ceux qui seront, je dirais, récupérés, qu'ils soient sincères dans la déclaration. Les personnes contactées doivent être récupérées parce que la zone dans laquelle cette dame, elle a habité avant son décès, c'est une zone véritablement
très très fournie en population chrétienne. Moi, j'ai de grosses inquiétudes par rapport à cette histoire-là. C'est beaucoup de boulot, hein, c'est du sang répit hein, pour les autorités sanitaires. Parlant de masques, il faut y arriver, il faut véritablement, comme l'a dit André, qu'on sache véritablement c'est quoi la qualité des masques qu'on met maintenant sur le marché. C'est également un autre chantier. C'est très très important. Et maintenant, il y a des couturiers qui s'y mettent aussi. Le numéro qui est mis à disposition pour les appels, comme vous l'avez dit, il est déjà trop long. Qu'on le réduise en trois chiffres et qu'il y ait des personnes qui soient habilitées à rapidement décrocher. Très parce que pendant que nous y sommes, il faut qu'on change de stratégie dans la lutte contre la pandémie, qu'on y aille avec la communication, notamment en ce qui concerne les populations, leur montrer que le COVID-19 ou la COVID-19, vous l'appelez comme vous voulez, Christian Dandéja, en tout cas, COVID-19. Exactement, que ça se guérit. Et donc, ça n'est pas une maladie de la honte. Quand vous l'avez, faites-vous simplement appeler. Le docteur vient vers vous et puis on règle cette affaire. Franchement, si on ne le fait pas... Quelque chose à ajouter, André Dossard. C'est l'OMS qui risque d'avoir raison de nous. Il faut signaler, vous dire, Herman, que les masques, les meilleurs d'ailleurs, ce n'est pas destiné à être porté toute une journée. C'est 3 heures ou plus, je crois, et renouveler. Et aussi, je voudrais dire, il n'y a pas que les masques vendus en pharmacie ou ailleurs. Même on peut utiliser des masques en tissu, on peut transformer son t-shirt en masque. L'essentiel est de prendre soin de ça. D'empêcher les postillons des autres d'aller vers vous ou les vôtres aussi de sortir, d'aller vers les autres. Et je vais finir en disant à Akimé, en fait, le masque, il est utile que quand on le porte, pas en le brandissant. Même là, tout de suite, Akimé doit donner l'exemple en mettant son masque. Allez. Voilà, c'est très important. Très bien. Allez, merci beaucoup André Dossa. Très bonne journée à vous. Surtout, prenez soin de vous. Herman Alemoussou, merci de faire le geste. Mettez votre masque. Je vais sur le terrain. Il faut bien que je mette le masque. Vous le changez tout à l'heure. Vous avez quelques... Non, c'est pas encore ça. Merci. Akimé Sédou, restez en place. Kama Ouassagari, conseiller juridique du parti Force Corée pour un Bénin émergent. De quelle aile? Bon, en tout cas, on sait qu'il est fidèle, des fidèles à Bouni Yayi. Il sera en plateau dans quelques secondes pour nous parler un peu de la nouvelle vie de ce parti qui, ma foi, est en difficulté depuis un moment. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Cœur de la ville de Baragou, Loft Restaurant Hotel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres au stand-in, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant est mon lieu de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Restaurant Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Restaurant Hotel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20, 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence.
Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Merci de nous rester fidèles. Actu Matin se poursuit. Le plateau de l'invité du forum, Kamaru Asagari, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller juridique du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Merci de donner l'exemple hein, en venant avec votre masque. Merci. Je fais ce que le gouvernement a demandé de faire, me protéger, pour ne pas, si j'étais contaminé, pour ne pas contaminer les autres. Il faudrait que toute la population béninoise puisse se protéger, parce que c'est une pandémie mondiale qui peut toucher même celui que vous ne pensez pas. Donc protégeons-nous pour protéger les autres. Restons à la maison. Vous êtes un bon politique. Vous n'êtes pas à la maison, vous êtes sur le plateau d'après matin. Oui, c'est les circonstances qui l'obligent. D'accord. Alors, ces derniers mois ont été par plusieurs reprises hein, au sein de votre parti FCBE, très très éprouvante. Vous avez à plusieurs reprises tenté de ramener la paix, mais ça n'a pas suffi. Dernier événement, c'est votre président d'honneur, Boni Yayi, qui claque la porte et vous abandonne le parti. Vous avez finalement poussé votre président d'honneur à bout et il est parti vous laissant. Oui, merci beaucoup. Avant tout propos, je dois pouvoir saluer la grandeur d'esprit du président d'honneur, l'ancien président, le président Boni Yayi, parce que la patience dont il a fait montre durant toute cette période, je ne pense pas que humainement ça soit possible. Je vous dis à des moments quand je fais la prière, je demande à ce que Dieu ne me donne pas cette patience. Ah bon? Parce que ce que le président Boni Yayi a supporté depuis son retour en décembre dernier, tout le monde ne peut pas le supporter jusqu'à ce moment. Dites-nous ce qu'il a supporté. Un exemple simple. On s'accorde à dire tout ce que le président Yayi Boni, le président d'honneur du parti FCPE. Mais je peux vous dire que depuis son arrivée, le président Yayi Boni n'a pas eu la couleur du réceptif obtenu par le parti FCPE. Pourtant, ceux qui ont usé de toutes les stratagèmes possibles pour obtenir ce réceptif ont dit qu'ils l'ont fait pour accompagner le président dans son combat, qu'ils l'ont fait pour les militants, mais celui pour qui vous avez fait un combat pourra vous le refuser, un document que vous dites lui appartenir. Donc c'est pour dire. Mais il a été dit à plusieurs reprises qu'il a vu le document. Ce n'est pas rendre ce qu'il a donné. Il y a eu certains actes d'humiliation, vous pensez? Non, ça fait deux questions. Oui. Il a dit, au cours d'une cérémonie de réconciliation, où il a été exigé de déposer les documents du parti. Le ministre Yaou Théophile a remis sur une enveloppe des documents. Donc, ce qui a fait l'objet d'un compte-rendu, les documents ont été remis. Mais quand l'enveloppe était ouverte, on s'est rendu compte que les statuts et règlements intérieurs qui sont dans l'enveloppe n'étaient pas signés par les trois mandataires qu'ils ont désignés eux-mêmes. Or, vous savez que avec la nouvelle loi sur la charte des partis politiques, on fait exigence de signer les statuts et règlements intérieurs. Mais on a remarqué que dans ces documents également, parmi les signataires, le ministre Paul Lompé a été nommé comme cinquième sénat. C'est le poste qu'il occupait lors du véritable congrès de Parakou. Oui. Le seul congrès qui a eu lieu au niveau des FCBE. Mais quand il était question de leur dire, bon, si vous savez que c'est les documents authentiques, venez signer. C'est seulement le ministre Yaou Théophile et Amadou Sifou qui ont signé. Mais c'est depuis ce moment que le ministre Lompé n'a plus mis pied au niveau du domicile du président Yayi. Le domicile de Boni Yayi n'étant pas le siège du parti Force Corée pour un Bénin émergent, il peut y aller quand il veut, comme il veut. Le domicile du président Yayi n'est pas fréquent. Le domicile du président Yayi était le lieu choisi pour le processus de réconciliation. Je parle ici de 12 janvier, parce qu'on était dans un processus. Oui.
Voilà. On va pas refaire l'histoire, on va pas refaire, je dirais, les mêmes récriminations. Ça fait déjà vieux. Au point d'ailleurs, vous avez fini par reconnaître le récépissé, vous êtes lancé dans la course pour les municipales prochaines du 17 mai. Espérons que ça tienne. Vous avez eu enfin un récépissé définitif. Pendant ce temps, le temps, je dirais, qui a couru entre ce que vous avez appelé le moment de réconciliation et autres, et puis le dépôt de votre dossier de candidature au niveau de la Sénat, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'enfin Bouniaï finisse par dégainer avant hier? Oui, je vais d'abord rappeler que aucun militant, aucun membre de SEV n'avait jamais rejeté le récépissé. Nous avons rejeté le processus qui a conduit à son obtention parce qu'on estimait que c'est un récépissé qui nous était dû. Le serpent est mort, oui. Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme, il est mort. Vous avez le récépissé. Oui, c'était un dû. Maintenant, le processus qui a conduit sûrement à la démission du président Yahya. Vous savez, à un moment, les deux tendances du parti, les deux camps, il faut le dire clairement, avaient pratiquement du mal à s'asseoir, malgré les multiples rencontres qu'on a eues chez le président. Parce qu'on se disait qu'il y a des gens qui n'étaient pas honnêtes dans les propositions qu'il nous faisait. On était à l'écoute des militants, et le président Yahya également était à l'écoute des militants. Les militants voulaient coûte coûte aller aux élections. Ouais. Les sages et notables du Borgo, qui sont également des membres du parti FCBE, c'est-à-dire quand vous avez une crise, même quelqu'un qui peut régler la crise peut venir vous accompagner. Ouais. Dans ce cadre, ils ont voulu nous rencontrer. Au cours de notre discussion, on a exposé les accords sur lesquels on pouvait s'entendre. Et les accords, c'était quoi? La mise en place d'un comité national de candidature où toutes les parties seront là. Et ce comité national de candidature allait valider les dossiers avant leur dépôt au niveau de la Sénat. Ouais. Il faut préciser que cette proposition venait d'eux. La remise des documents officiels qu'ils ont enlevés, et l'organisation d'un congrès après la mise en place des maires. Mais le comité national de candidature, quand on a commencé des travaux, à chaque fois qu'on disait, si vous finissez une commune, venez, on va valider ensemble, on disait, attendez. On va faire court. La liste qui a été déposée au niveau de la Sénat, est-ce que c'est une liste consensuelle? Non, la liste qui a été déposée à la Sénat, ce n'est pas la liste des FCBE. Vous avez remonté l'information à Bouniaï? Oui, l'information elle est à son niveau. C'est ça qu'il a fâché. Parce qu'il faut le connaître à chaque moment. À chaque mois, il appelait pour savoir l'évolution des choses. C'était juste ça, sa participation dans la confection de la liste? Non, au fait, de toute façon, il était comme le superviseur général. Si on finit, on devait lui rendre compte de ce qui a été fait. Je peux vous dire, jusqu'au dépôt de la liste, il n'a pas été informé. Donc, le président Bonilla ne sait pas ce qui est le contenu de la liste. Et grave, et sinon pire. C'est que quand les militants parlent bien, certaines personnes demandent à ce que le président Yahya Boni puisse payer la caution pour pouvoir accompagner tous les candidats. La caution a été envoyée, remise au trésorier général du parti, le ministre Brissot. Hein. Mais l'annonce faite à M. Paul Longpé et au ministre Yaro, ils ont dit qu'ils ont déjà pris d'autres disposants qu'ils ont pour payer la caution. Mais on a dit, mais ils ont rejeté la caution parce que ce jour, la caution n'était pas encore payée. Mais pourquoi avoir refusé la caution envoyée par le président d'honneur? C'est là la véritable question. Et les disposants qui ont été pris, l'argent vient d'où? Finalement, on ne sait pas. Nous sommes tous dans un parti. On se dit tous ensemble dans un parti politique sans savoir les sources de financement. Qu'on ne me dise pas. Parce que j'ai écouté mon collègue qui disait que c'était les cotisations des anciens, des ministres et autres. Mais depuis 2018, on était ensemble. On sait comment le parti était géré. Pour vous, l'argent viendrait d'où? Je peux le dire parce que je ne suis pas dedans. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais l'argent ne vient pas des structures officielles, des canaux officiels du parti. Et donc, du coup, vous soupçonnez que l'argent quitte quelque part que vous ne maîtrisez pas? Oui, l'argent peut tomber du ciel. L'argent doit avoir une source de provenance. Et parce que vous ne savez pas d'où vient l'argent, parce que l'argent de Bouniaï a été rejeté, comme vous le faites constater sur le plateau, parce que vous, les curadures de Bouniaï n'avaient pas été bien positionnés, alors vous allez monter l'influence à Bouniaï. Bouniaï fâché, dégaine et puis il quitte le parti non, politique. Non, si c'était seulement parce que les curadures n'étaient pas bien positionnés, le point n'allait même pas trop se poser. Mais c'est que ce sont les militants, les véritables militants dans des zones stratégiques qui n'ont pas été positionnés. Je vous donne, si vous voulez, je vous donne quelques exemples simples. Au niveau de Cotonou,
les membres des structures officielles du parti, qui ont toujours mené le combat, ont été relégués au second plan. Quand je prends la commune de le département du Zou, dans la région de Zapota, Kovéwoyi, on a notre député Alagbe, qui coordonne, qui dirige tout. Toutes les listes envoyées par les structures officielles ont été mises de côté au profit des listes proposées par des personnes qu'on n'a jamais vu militer. Est-ce que votre parti n'était pas là en train de travailler pour une redynamisation du parti en mettant en avant d'autres personnes? Oui, pour une redynamisation, on ne choisit pas des gens en l'air. Il y a un travail qui se fait par les organes qui sont là. Et si ceux à la base, ils estiment que telle personne doit être changée, ils le font. Je ne voulais pas peut-être aborder le cas de Kérou, qui a attiré mon passé. Il a été dit que l'honorable Madame Dafia a été reléguée au Niger au rang passé. Elle a fait déjà 25 ans. Mais je suis surpris. Et je suis surpris parce que la coordination nationale ne maîtrise pas les réalités du terrain. En plus, je prends le cas de ministre Wumpe, qui a été également maire, qui a été ministre. Mais je m'étonne qu'il soit tête de lui chez lui. Le ministre Yaya Théophile, qui a été juste ministre d'État, il est également candidat tête de lui chez lui. Donc il n'y a pas de jeune là-bas qui peut faire le travail. Oui. C'est pour vous dire que le choix des candidats se fait à la base. Et si nous voulons une victoire certaine, si nous nous battons pour que le parti puisse aller de l'avant, c'est qu'on devait respecter le choix d'avant. Mais on a compris que les gens étaient dans une position, faire en sorte que dans des zones stratégiques, que le parti ne puisse pas avancer. Mais aujourd'hui, vu tout ça, là, le président a démissionné. Oui. Ces partisans. Mais est-il logique qu'un leader abandonne sa troupe en pleine bataille, comme ça? Non, ce n'était plus sa troupe. Ce n'était plus sa troupe. Les choses ont échappé à Boniaï depuis très longtemps. Pourquoi ne pas reconnaître que les choses lui ont échappé et qu'il passe à autre chose, Kamal Wasangari? Non, justement, c'est ce qu'on a entendu, mais aujourd'hui, il démissionne pour passer à autre chose. On dit pourquoi il a abandonné encore ses enfants. Démissionne, Wasangari et Dafia, toujours candidate au communal prochain. De toute façon, comme je l'avais dit au début, la liste FCBE qui a été déposée n'est pas la liste originaire FCBE. Mais c'est ça qui est reconnu par la Sénat aujourd'hui. Oui, vous savez, même le bureau de Wumpe, c'est le bureau qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur. C'est pour dire que d'ici là, sûrement ce soir ou demain, nous allons faire une déclaration forte pour dire notre position. Mais tous les militants doivent savoir que la liste qui est là, comme l'a dit le président Donnet dans son message, si nous devons continuer à supporter cette liste, c'est que nous donnons encore un poids au pouvoir. Kamal Wasangari, vous êtes là en tant que conseiller juridique du parti FCBE. À vous entendre, vous êtes conseiller juridique d'une aile de FCBE, parce que véritablement, on ne vous voit pas en train de défendre, je dirais, les FCBE dans leur entièreté. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, d'une manière ou d'une autre, ces éléments-là qui constituent, je dirais, les difficultés de cette formation non, politique? Non, je ne suis pas un conseiller juridique d'une aile. Parce que quand vous l'avez reconnu, que l'État qui a reconnu le récépissé, si je suis conseiller juridique du parti FCBE. Je suis conseiller juridique du parti FCBE. Et ce n'est pas parce que je suis conseiller juridique du parti FCBE que je vais soutenir le faux qui se fait au niveau de ce parti. Je suis très jeune. J'ai l'obligation de soutenir la vérité. Donc, ne me demandez pas de soutenir ce que j'estime. Je ne vous demande pas. Je constate que vous êtes conseiller juridique d'une aile des forces corrompues. Je ne suis pas conseiller juridique d'une aile, je suis conseiller juridique du parti FCBE. Et vous avez une déclaration prévue pour, mettons quoi, ce soir ou demain. C'est pour nous dire que, entre autres, Dafia n'est plus candidate au communal prochain. Non, Dafia n'est pas la seule candidate au niveau de FCBE. Il y a dit entre autres. Oui, elle n'est pas la seule. Donc, ça fait deux fois que vous avez appelé le nom. Oui. Non, elle n'est pas la seule candidate. C'est des candidats. Mais c'est pour vous dire quoi dans votre déclaration de cet après-midi ou demain ou plus tard? Non, on va faire sûrement tout ce qui s'est passé du début de la crise jusqu'à la fin de la crise. Et nous sommes en contact avec les ministres. Depuis hier, on est en train de recevoir des non, appels. Mais rappelez toujours ce qui s'est passé. Est-ce que vous ne perdez pas du temps? Quelles sont les solutions que vous avez à votre portée? Parce que nous sommes en train de faire un travail. Affronter les communales. Non, non. Les communales, nous ne sommes plus engagés avec cette liste à ces communales. Il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un
qui fait partie d'une structure officielle du parti, qui soit écarté et vous allez lui demander d'aller travailler pour cette liste. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme l'a dit le président d'honneur du parti, l'ancien président, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas donner caution à toute la mascarade qui se fait au niveau une fois encore, vous prenez position. Vous dites, nous n'allons pas donner caution, c'est-à-dire que Wassangari, sur le plateau, Kamar, prend position pour l'aile Bouniaï des forces que le point bénémergent. Il démissionne, vous avec. Apparemment, on n'aura plus grand-chose à entendre à travers votre communiqué que vous nous proposerez ce soir ou demain. C'est bien ça. Non, je ne prends pas position. Je dis les réalités, N'allons pas accepter cette mascarade. Ce sont des propos rapportés de Bouniaï. Oui, non, c'est moi qui le dis. Oui. C'est moi qui le dis. J'ai aussi la capacité de faire mes propres analyses. Oui. Et avec ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu, il faut le rappeler, j'étais membre du comité national de candidature. J'ai vu comment les listes ont quitté le lieu où on a fait tout le point. La façon dont les gens ont disparu avec la liste pour se retrouver 2 à 3 heures de temps plus tard à la Sénat. Tout ça là, ce qui ne devait pas être fait. La preuve, vous avez vu les gens qu'on a estimé proches de nous, en dehors de ceux du ministre Yaya, Lola Garba et Oumpe, qu'on connaît, vous n'avez pas vu Lola Tchadé. C'est pour dire que nous avons été purement et simplement écartés. On ne peut pas écarter des gens et vouloir que ces personnes puissent les accompagner dans le. La campagne, dans les élections à venir. Bouniaï se retire des forces que le point bénémergent. Vous semblez, je dirais, suivre le mot d'ordre de Bouniaï. Vous ne pensez pas exister une formation politique, vous, sans Bouniaï? Non. C'est pas vivre une formation politique sans Bouniaï. Vous savez, le président Bouniaï a fait 10 ans. Et durant les 10 ans, il a posé des actes. Les gens, ceux qui sont les milliers de Béninois qui sont derrière Bouniaï, ne suivent pas la personne de Bouniaï. Ils suivent les actes que le président Bouniaï a posés. Ils savent qu'avec Bouniaï, l'alternative qu'il propose, c'est que ça va entrer dans le ça va permettre que les Béninois puissent se sentir mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quelle est l'alternative qu'il propose? Non, l'alternative qu'il a eu à faire, avec Bouniaï, on a eu un président qui a été très social. On a connu les microcrédits aux plus pauvres ici, la césarienne gratuite, on a tout vu. Mais depuis son départ, les femmes se plaignent, les ménagères se plaignent, les populations se plaignent. Vous dire que beaucoup veulent qu'on puisse avoir une gestion à l'image de ce que le président Bouniaï a eu à faire. Et je vous dis là, au niveau des FCBE, on a toujours dit le peuple et l'intérêt général. Mais à partir du moment que des décisions sont prises et que ces décisions ne vont pas à l'avantage du peuple, nous prenons position. Kamar Wassangari, votre carrière politique sans Bouniaï, vous l'imaginez? Justement, Bouniaï n'est pas éternel. Bouniaï n'est pas éternel. Et aujourd'hui, Bouniaï, qu'on le veuille ou pas, il est plus concentré sur la pandémie qui... mondial qui nous guette le coronavirus. Vous avez fait des propositions grosse actualité de Bouniaï, ce n'est pas la pandémie, c'est sa démission des forces que le point bénémergent. Christian Dandéjan, c'est tellement votre mot. Oui, parce que vous verrez, c'est ça, un homme d'État, un homme quand même qui peut d'un seul mot faire bouger les choses. Il a fait sur sa page Facebook, on ne pensait même pas que ça allait prendre de l'ampleur, mais ça a été l'actualité. Mais on ne pensait pas que ça allait prendre de l'ampleur, vous vous reconnaissez toujours dans, je dirais, le poste de Bouniaï. Non, vous voyez, nous sommes à un niveau où il faut quand même puiser dans tout ce que le président Bouniaï fait, dans tout ce qu'il dit. Et c'est dans ce projet que nous savons que nous nous sommes engagés dans un combat de restauration de notre démocratie. Et vous allez voir que d'ici là, les actes que nous aurons à poser rentreront dans la droite ligne de l'aspiration du peuple béninois. Voilà, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Bouniaï, qui, dans son adresse, a dit de ne plus utiliser son nom ou bien de ne pas associer sa personne à n'importe quelle activité liée donc aux forces courries pour un Bénin émergent, auquel cas il va prendre les décisions qui s'imposent, notamment à signer les personnes responsables de cela. Finalement, FCBE, nous avons 2 camps ou plusieurs camps, je ne sais plus combien. Quel est l'avenir de ce parti à partir du moment où Bouniaï
a claqué la porte. Oui. À partir de l'avenue du FC BE, Hongpe, ça, il faut demander à Hongpe ce que ça va être. Mais de toute façon... Vous êtes membre du parti. De toute façon... Non, je viens. Vous savez la différence. Moi, j'ai... Le mercredi, par exemple, j'ai envoyé une sommation interpellative à Hongpe pour lui demander de nous dire comment ils ont fait pour organiser un congrès pour que nos noms se retrouvent là. Quand est-ce que le congrès a eu lieu? C'est pour dire ils ont fait du faux pour obtenir le rétribution. C'est sur ce faux que vous allez vous entendre avec vous. Non, justement, ce que vous semblez oublier, quand on a fait le congrès de Parakou, le ministre Yaro, le ministre Hongpe étaient tous membres du bureau. Ce qui veut dire que quand je prends même le bureau de Parakou, on était tous membres. Sur ce fait, parce que comme je l'ai dit, c'est un récipient qui nous était dû. Sur ce fait, on peut toujours se retrouver. Mais si le ministère a pris des procédés avec certains camarades, vous ne nous demandez pas de ne pas combattre. Camarade Ouassanga, vous avez dit tout à l'heure que la manière d'obtention du récépissé, c'est déjà du has-been. Vous êtes déjà sur un autre chantier. Et ce chantier, c'est notamment la démission de Boni Yayi. Vous aviserez, puisque ce soir, vous nous apprenez, ou demain, vous allez prendre un communiqué. On attendra de voir le compte du communiqué. Mais toujours est-il que, à vous entendre, apparemment, vous abandonnez la BAC avec Boni Yayi. Ce sera votre mot de la fin, c'est ça? Oui, de toute façon, nous ne pourrons pas... être dans un avis qui nous amène à une destination inconnue. Il vaut mieux descendre. Vous allez sauter par-dessus bord. Pour aller dans un autre navire qui va vous amener à une destination que vous-même vous aurez à choisir. Mais le navire était déjà en pleine mer. C'est pas parce qu'il n'a pas de transbordement qu'on ne le fait pas. Parce que c'est en mer. Rien n'a été dit que si vous avez un navire, vous ne pouvez pas changer. Donc, si le navire est en train de couler, le navire FCB est en train de couler, du fait même de ceux qui sont au niveau qui se sont forcés, qui ont eu le soutien du ministère de l'Intérieur pour être au niveau de... Alors, c'est dire donc, votre mot de fin, c'est fini avec Force Corée pour un Bénin émergent? Non, c'est fini avec les Hongpe, les Yaro et autres. Mais la force qui a toujours accompagné Boni Yayi demeure. Et cette force va s'exprimer. C'est Boni Yayi qui vous a mandaté pour cette conclusion. Porter sa parole? Non, de toute façon, Boni Yayi ne peut pas me mandater. J'ai parlé en tant que militant. Est-ce que vous dites quand même à vos militants que Boni Yayi, il ne sera plus candidat, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'alternance, d'alternative et bien d'autres choses. Est-ce que vous signifiez à vos militants que Boni Yayi, il ne sera plus candidat de la République et qu'il fallait changer de cap? Le président Boni Yayi a fait ses deux mandats constitutionnels. Il a passé service comme la Constitution le prévoit. Boni Yayi sait très bien, et nous le savons tous, mais les militants le savent, qu'il ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. Mais Boni Yayi ne va pas abandonner ces milliers de personnes qui l'ont soutenu durant ce mandat. Donc c'est ce qui l'oblige à pas de voix de reconnaissance, à continuer le combat. Et également, si la gestion du pays était... les acquis démocratiques étaient respectés, il aurait sûrement pensé à autre chose. Mais vous ne pouvez pas demander au président Boni Yayi de laisser tomber la population béninoise au moment où... la démocratie est en benne. On aura l'occasion de faire ce débat de démocratie en benne parce que ça, c'est votre opinion. Il y a bien des éléments qui vous amèneront certainement à nous apporter des précisions par rapport à Christian. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de souci, Kama Ouassangari. Merci d'être passé. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le conseiller juridique du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Hakim Essédou Ousseni, merci beaucoup. Merci, très bonne Christian. Journée. Je vais vous raccompagner avec cet élément en magazine réalisé par Ouliad Sanoussi et Rachidi Soubérou, qui nous emmène à la rencontre d'une professionnelle qui utilise un ensemble d'artifices pour, je dirais, décorer le visage de nos charmantes dames. C'est une forme de maquillage. Et Bérénice Atindegla est une experte du make-up. Comment s'y prend-elle? Élément de réponse dans ce magazine. Et juste après, on va recevoir Zakiat Latouni. Suivez. Bérénice Atindegla est une spécialiste du make-up, entendez tout simplement le maquillage. Il lui suffit de quelques minutes pour transformer le visage d'une personne. Dans son centre de formation, elle reçoit une cliente venue pour un make-up. Le matériel, une fois en place, elle se met au travail. On va d'abord nettoyer le visage, ensuite tracer les sourcils et colorer les yeux
et mettre les fossiles, le fond de teint et finir avec le fixateur. Une trentaine de minutes après, et voici le visage de la cliente qui se métamorphose. Pour un maquillage événementiel simple, il faut au moins 30 minutes. Utiliser de bons produits, surtout ça parce que c'est important. Pour que le maquillage puisse tenir, déjà il faut avoir de bons matériels et savoir à quel moment utiliser tel produit et tel produit. Parce que c'est tout un assemblage et il faut suivre plusieurs étapes pour atteindre la finition et mettre le fixateur. Nous sommes à la dernière partie. On va faire l'attaché de foulard. Ouvre les yeux. Avant d'aimer le make-up, Bérénice Atidegla a suivi une formation professionnelle et a eu une licence en communication et négociation multimédia à Pigier Bénin. Mais pour le moment, elle se consacre au maquillage. Je dirais que c'est une passion. C'est une passion. J'aime rendre belle, j'aime être belle. J'ai suivi une formation pendant 2 mois. Et j'ai eu le temps d'exercer, de répéter plusieurs fois parce que c'est dans la pratique qu'on finit par bien faire. Est-ce qu'il y a des clients qui apprécient vraiment le travail que vous faites ? Oui, je dirais oui et non parce que le make-up ne va pas forcément à tout le monde. Et ça dépend aussi de ce qui est fait. Donc, il faut adapter le make-up au visage de la personne pour avoir un bon rendu. Tout passe par la passion. Quand vous avez la passion et que vous savez bien faire, vous avez le résultat attendu. Donc, c'est vrai, en toute chose, il y a des situations basses, il y a de bons niveaux. Donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, on essaie de joindre. Ce n'est pas encore ça vu. La popularité de la chose n'est pas encore ça, mais ça va aller. Une fois sa formation en make-up achevée, Bérénice Atidegla a ouvert un centre de formation à Godomé. Elle y offre différents services. J'ai un centre de formation et je suis active depuis, disons, 10 mois. Et j'ai des clientes qui viennent, j'ai des étudiantes qui viennent apprendre aussi. Ça dépend. Il faut au moins 2 semaines et au plus 3 mois parce que c'est purement pratique. Ce n'est pas comme une longue classe, c'est 100% pratique, il n'y a pas de théorie. Donc en 3 mois, c'est suffisant. Alors pour l'attaché de foulard, je fais la semaine à 15 000 francs et le make-up à 20 000 francs. Donc, en fonction du nombre de semaines, il faut faire les multiplications ou choisir un forfait par rapport à 1 mois, 2 ou 3 mois. Au dire de Bérénice Atidegla, les produits utilisés pour la plupart se trouvent sur place ou dans les marchés voisins. Ça s'achète au Bénin, ça s'achète au Nigeria, un peu partout, dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Donc, tout dépend de la qualité que vous voulez. Au marché, il y a toutes sortes de qualités. Et dans les grandes surfaces aussi, mais beaucoup plus la qualité. Avec son métier, la maquilleuse donne de la beauté au visage. Mais selon elle, le métier ne nourrit pas encore son homme. En fait, c'est un besoin de se rendre belle, de s'afficher, de se montrer. Donc, le make-up, avant, c'était pas ça. C'était réservé à une certaine
catégorie de personnes. Mais maintenant, c'est beaucoup plus en vogue parce qu'il y a plus de sorties, il y a l'Internet, il y a tout ce qui se fait à l'extérieur ou ici. Donc, il y a une copie, voilà, qui fait que beaucoup s'adaptent maintenant au make-up et le font de façon régulière. Selon les cérémonies, il y a des maquillages qu'on fait. Maintenant, il y a des clientes qui précisent ce qu'elles veulent. Il y en a qui veulent, par exemple, un maquillage nude pour aller à un mariage. C'est relatif, en fait. Donc, tout dépend de ce que vous voulez et de ce que vous avez envie de montrer dans votre visage. Malgré sa passion pour le make-up, Bérénice Atidegla rencontre quelques difficultés. La difficulté est liée à beaucoup plus au matériel de travail, parce que le matériel, il y en a de toutes sortes, de bonne qualité, de mauvaise qualité. Et tout ceci est important pour la finition, parce que quand vous utilisez un bon matériel, vous ne forcez pas. Mais quand vous utilisez un matériel de basse classe, ça ne marche pas forcément. Et il y a aussi le fait qu'on est nombreux à le faire. Nous sommes vraiment nombreuses et les consommateurs ne savent pas vers qui aller ou vers qui s'adresser pour avoir un bon travail bien fait. La maquilleuse a également des projets pour l'avenir et reste optimiste. Par rapport à ma formation professionnelle et après ça, donc l'avenir nous montrera tout ce qui est comme projet qui va naître et qui va prendre vie. Déjà, j'opère dans des ONG, donc je fais de petites formations subventionnées et c'est ma manière aussi d'accompagner toute personne désireuse d'apprendre et de s'épanouir dans le métier. À part ça, ouvrir peut-être un grand centre de formation pour apprendre aux gens à bien faire le maquillage. Bérénice Atidegla espère avoir le soutien des bonnes volontés pour concrétiser ses ambitions dans le make-up. Et pour l'heure, elle entend offrir le meilleur d'elle à la clientèle. Nos boissons gazeuses et eaux deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Retrouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique, avec le même goût. Ce n'est pas tout. Le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL Énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabelle est désormais disponible en format 5 litres. Vous n'aimez pas les files d'attente ? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBI Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique, c'est UBI. Pour plus d'informations sur UBI Magic Banking, contactez-nous. UBI, Africa's Global Bank. Vous recherchez des accessoires automobiles de qualité comme les pneus Michelin, les huiles Castrol, les batteries Exide et bien d'autres pièces de rechange en gros et en détail? LBM est la solution. Nos stations-service sont également opérationnelles en continu. Les boutiques de lubrifiants LBM, c'est à Apapa PK3 et au carrefour LBM. Je ne vous oublie pas. Contact téléphone 00229 21 31 00 46, 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour.
Carrefour, des grandes marques. L'actualité, c'est le coronavirus et on va une fois encore en parler en plateau avec vous, Zakiat Latnouji. Bonjour. Bonjour Christian. Chronique santé, le coronavirus, oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, ce que je vous propose pour ce mois d'avril, c'est vraiment de nous intéresser au coronavirus. Mais en fait, à cette grande famille de virus, parce que quand on parle de coronavirus, il s'agit d'une famille, d'une grande famille de virus respiratoires qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus grave. Donc, on s'intéresse vraiment à cette grande famille-là. Et dans cette catégorie de la famille des virus, coronavirus, justement, il y a le COVID-19 qui crée aujourd'hui la panique et la terreur partout dans le monde. Donc, je nous amène à mieux comprendre ce que c'est. Et ensuite, à surtout savoir comment nous comporter pour éviter d'entrer en contact avec ce virus-là. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui intéresse tout le monde, comment on peut se protéger. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en vous protégez également les autres. Et pour commencer, acte 1 aujourd'hui, c'est un document sur lequel je suis tombée, que j'ai trouvé très intéressant, qui est un peu scientifique, mais qui nous permet quand même de mieux comprendre comment tout ça est arrivé. Merci. Donc, je vais nous inviter à suivre et on va se retrouver juste après. D'accord. Docteur Synapse. En décembre 2019, un nouveau coronavirus a été identifié comme cause de pneumonie à Wuhan, une ville de la province d'Hubei en Chine. Ce nouveau coronavirus, nommé ensuite COVID-19, s'est vite propagé dans le monde, entraînant une pandémie. Le 22 mars 2020, le nombre de cas était de 305 275, avec un nombre de décès de 12 942. On va tout d'abord essayer de comprendre ce que c'est que le coronavirus. Nous avons un tout premier coronavirus qui a été identifié en 2003, qui est le SARS, qui est l'abréviation en anglais de Severe Acute Respiratory Syndrome. C'est un virus qui s'est transmis d'abord de la chauve-souris vers la civette, vers l'homme, entraînant un taux de fatality de 9,6%. Nous avons aussi le MERS, identifié en 2012, qui est l'abréviation de Middle East Respiratory Syndrome, transmis de la chauve-souris vers le dromadaire, vers l'homme, causant un taux de mortalité impressionnant de 34%. Pour le nouveau coronavirus, COVID-19, appelé également SARS-CoV-2, probablement ça a été transmis de la chauve-souris vers le pangolin, vers l'homme. Le 30 mars 2020, le nombre de décès était de 35 035 et le nombre de patients diagnostiqués était de 740 235, ce qui équivaut à un taux de mortalité de 4,7%. Néanmoins, ce chiffre est surestimé car beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués. On va essayer de comprendre pourquoi ce virus peut tuer. Garde à l'esprit que le COVID-19 aime les alvéoles. Imagine que quelqu'un d'infecté par le COVID-19 te tousse sur la figure. Le virus va passer par tes voies respiratoires et va se nicher de façon préférentielle au niveau des alvéoles. Petit rappel, les alvéoles sont constituées de deux types d'épithélium. 1. Les pneumocytes de type 1, ces cellules assurent les échanges gazeux. D'un autre côté, on a les pneumocytes de type 2. Ces cellules de forme cubique ont pour rôle de sécréter du surfactant. Le surfactant permet de réduire la tension de surface du mucus pulmonaire dans les alvéoles. Pour faire plus simple, ça permet à l'alvéole de rester ouverte pour que les échanges gazeux se fassent correctement. Quand le COVID-19 arrive dans l'alvéole, que va-t-il se passer? Ce qu'il aime bien, lui, c'est les pneumocytes de type 2. Il va se lier spécifiquement, grâce à ses S-spikes, à l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 des pneumocytes de type 2.
le COVID-19 rentre à l'intérieur du pneumocyte de type 2, quand il sera à l'intérieur de la cellule, il va se multiplier. Comment ? En utilisant le ribosome de la cellule, on aura une traduction avec synthèse de protéines et l'ARN polymérase permettra de produire d'autres ARN COVID-19. Les protéines plus l'ARN vont produire ainsi d'autres virus COVID-19. La multiplication du COVID-19 sera tellement importante que ça va exploser la cellule. Il y aura ainsi beaucoup de COVID-19 qui seront à l'intérieur des alvéoles. Vu que les cellules des pneumocytes de type 2 vont être lésées, on aura une libération de cytokines, ce qui va enclencher la machinerie inflammatoire. Plusieurs spartiates médiateurs de l'inflammation vont être synthétisés, comme l'interleukine 1, le TNF-alpha et l'interleukine 6. Ces spartiates vont endommager le capillaire pulmonaire, This is Sparta! Entraînant le passage d'eau à l'intérieur de l'alvéole. Ce qui entraîne un œdème alvéolaire. On aura alors une augmentation de la tension de surface, ce qui entraîne in fine un collapsus de l'alvéole. On aura alors une altération des échanges gazeux, ce qui entraîne cliniquement une dyspnée. Cette inflammation très importante peut aussi altérer d'autres organes. Le cœur, le cerveau, les reins, le foie. Ces quatre organes sont reliés entre eux par les vaisseaux. À cause de cette inflammation importante, le corps peut passer à une autre étape, qui est le sepsis, voire le sepsis sévère, jusqu'au choc septique. Que se passe-t-il lors du sepsis ? À cause en partie d'une sécrétion de HNO, nous pouvons avoir une vasodilatation qui est assez importante et qui est systémique, ce qui entraîne une diminution de la résistance vasculaire systémique. Pour compenser, le cœur va augmenter son débit cardiaque, et cela pour stabiliser la tension artérielle. Mais à un certain moment, nous allons avoir une diminution du débit cardiaque associée à une diminution de la résistance vasculaire systémique, ce qui entraîne une hypotension artérielle. La tension artérielle, c'est égal au débit cardiaque fois la résistance vasculaire systémique. Vu que le rein ne sera plus assez bien perfusé, une insuffisance rénale aiguë, dans le choc septique, nous pouvons avoir une insuffisance hépatique aiguë. Et concernant le cerveau, ça se manifeste essentiellement par une altération de l'état de conscience. Alors comme je disais, Christian, j'ai averti, hein, c'est un peu technique, mais quand on suit avec beaucoup d'attention, on arrive à comprendre. Et c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre. Ce qui est également important, c'est de maîtriser les gestes simples, clés pour se protéger contre le COVID-19. Donc se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes, comme on l'a dit. 20 secondes, c'est important. Donc vous prenez le temps de mouiller un peu votre main. Ensuite, vous mettez le savon. Le savon, il peut être liquide ou autre. Vous frottez bien et vous prenez le soin de bien laver. Ensuite, en saluant son entourage, évitez les poignées de main. Donc aujourd'hui, il faut plus s'embrasser, se donner la main. Coude, donc le coude ou simplement un geste de la main. Salut, mais respectez chinoise. Aussi les distances de sécurité d'au moins un mètre entre personnes. C'est ça. Évitez de se toucher les yeux, le nez ou la bouche dans la journée. Malheureusement, c'est des gestes que nous avons l'habitude de faire. Donc, il faut intégrer aujourd'hui cette nouvelle manière-là nos différentes habitudes. Pour les mardis à venir, on ira vraiment dans les détails. Aujourd'hui, presque tout le monde porte un masque. C'est d'ailleurs systématique et recommandé. Il y en a pas mal sur le marché. On se demande quel masque il faut porter, quel autre il ne faut pas porter. Ce qui est déjà important, c'est d'avoir un masque pour se protéger. Et donc, on reparlera de tout ça. Vous viendrez ici nous dire quel type de masque il faut porter. Il faut porter. Mais c'est déjà important d'avoir un masque. C'est très important. Le mien est déjà foutu. Le maquillage l'a foutu.
Bon. Maquillage de Sylvia. C'est pas grave si le maquillage l'a sali. Le maquillage n'a pas foutu, le maquillage a juste sali un peu. C'est pas grave, mais il faut avoir votre masque à tout moment. Et puis, cette solution hydroalcoolique, à défaut d'avoir le dispositif de lavage des mains, c'est important de l'avoir aussi pour être sûr qu'on se désinfecte autant que possible. D'accord. Les mains, voilà. Vous connaissez les numéros importants à appeler au cas où il y a 51 02 00. Vous trichez un peu sur mon document. 51 02 00 00. 51 04 00 00. Plaidoyer pour qu'on revoie voilà. Ces numéros. C'est un peu long pour les populations. Merci beaucoup, Zakiat Latouji. Je vous dis au revoir en mettant mon masque. Voilà, merci. Voilà. Voilà, un geste très utile. Merci. Et bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, dernier acte de votre émission Actu Matin, c'est bien sûr la revue de presse, décryptage et présentation de l'actualité telle que traitée par les réseaux, par les journaux. Voilà, assieds-moi, Kanya, assieds-moi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. La pandémie du Covid-19 a fait un cas de décès au Bénin et toute la journée, l'information qui paraissait un canular s'est confirmée dans la soirée du lundi avec le point de presse du ministre de la Santé, Benjamin Houpatine. L'informateur ce matin affiche en gros titre « Premier cas de décès au Bénin, 26 infectés ». En croit le journal, deux hôpitaux et leur personnel sont mis en quarantaine. Le quotidien Fraternité décrire qu'au Bénin, le compteur tourne désormais par rapport à la mortalité liée au coronavirus. L'annonce du premier cas de décès à Cotonou a été faite hier par le ministre de la Santé, Benjamin Houpatine. Le journal fait alors un éclairage sur les détails sur le premier cas de décès au Bénin en s'inspirant des explications du ministre pour écrire qu'il était devenu trop tard pour un suivi sur le site de prise en charge. Selon le professeur Benjamin Houpatine, le décès est survenu alors que les résultats du test venaient d'être connus. Une situation qui amène le ministre à mettre les formations sanitaires devant leurs responsabilités. Une nouvelle qui fait taper du poing sur la table le chef de l'État béninois Patrice Talon qui, selon le matinal, réagit pour dire que la situation est grave. Alors, renseigne le journal, le port du masque est obligatoire dès demain mercredi. Ce qui fait la une du quotidien La Nation qui titre « Le port du masque désormais obligatoire ». Le journal Les Pharaons déduit que le gouvernement durcit les conditions de la mise en quarantaine et pour cause, rapporte Fraternité citant un communiqué du gouvernement lu par le ministre de la Santé. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey, Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepoudi, Porto Novo, Akromiserete, Agégué et Adiara. Et pour compter du mercredi 8 avril à partir de 0h, le port du masque de protection en tout lieu dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, quel que soit le nombre de personnes présentes. Fin de citation. Et face au coronavirus, indique l'économiste, les bourses africaines résistent face à la pandémie du coronavirus qui impacte trop le marché boursier occidental. C'est du moins ce que le journal peut retenir de l'entretien du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières et de Kossi Aminouvé sur une chaîne de télévision européenne. Les mesures prises par la BRVM pour réussir le marché financier ouest-africain et les perspectives ont été passées à la loupe par l'invité de la chaîne. Hier mardi, cela faisait 4 ans que le président béninois Patrice Talon accédait à la plus haute fonction de l'État. Le quotidien Le Matinal y consacre un supplément et parle de 4 ans de lutte contre la corruption avec la gouvernance Talon. 4 années au cours desquelles plusieurs changements ont été opérés, comme le souligne dans les colonnes de Fraternité le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes Noël Chadaré, pour lequel il y a des acquis, mais le travailleur béninois reste pressuré. Globalement, les couches qui produisent la richesse ont fait beaucoup de sacrifices
et ils attendent toujours que la redistribution des bénéfices soit inclusive. Il y a des gens dont les revenus n'ont pas augmenté de iota, même si des rapports ont été réglés, affirme-t-il. La condamnation à 20 ans d'emprisonnement de l'ancien directeur général du Fonds national de microcrédit fait le gros titre du quotidien La Dépêche, qui écrit que l'affaire Komikoutié revient sur le tapis. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a relancé le dossier à travers un procès dont le verdict n'a point traîné. Il est tombé au petit matin du samedi 4 avril 2020. L'ex-argentier national de Boniaï écope de 20 ans de réclusion criminelle, informe le journal. Merci de m'avoir suivi. C'était chez vous votre matinale Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain quand il sonnera 7h avec beaucoup d'autres sujets à débattre et beaucoup d'autres invités à recevoir en plateau. N'oubliez surtout pas que le port du masque est désormais obligatoire pour lutter contre le coronavirus, lutter contre sa propagation. S'il vous plaît, faites le geste utile. Achetez vos masques et portez-les. Très bonne journée. Au revoir.